Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr, vous l'avez demandé, vous étiez très nombreux à le réclamer, c'est le podcast sur Avengers Infinity War, le film est sorti, ça faisait 6 ans qu'on attendait la venue de Thanos sur grand écran, ça fait 10 ans que le MCU a posé ses bases et domine le game du euh, film de super-héros sur... Euh le grand public... Ça y est, c'est enregistré, euh, c'est toi. Ah bah, il, il domine quand même, malgré tout ce qu'on en pense. Et donc, on est réunis aujourd'hui pour vous en parler avec une, une équipe que vous avez aussi réclamée à corps et à cri. Et c'est un peu leur aussi leur Standing Ovation, c'est le dernier round pour certains d'entre eux, en tout cas sur Comics Blog. Il y a donc République. Bonsoir à tous et toutes. Ça va, République Ça va, et vous Ça va très bien, merci. Il y a également Raph. Bonsoir. Ça va Raph aussi. Ça va très bien merci. Et donc nous avons Manu. Salut. Ça va Manu Ça va. Tu es content d'être là Ouais je suis content d'être là. Ouais. Voilà. Et nous avons bien évidemment Alex Lecoq. Oui bonsoir. bonsoir. Je suis très content de t'avoir aussi, Alex. Ah, c'est ah, un, un peu bizarre parce que d'habitude, c'était toi qui étais à cette place. Effectivement, euh, c'est vrai. Ce oui. rôle, donc là, il y a un peu un euh, changement de. Ah, mais de rôle, je suis invité ce soir. Changement donc, de euh, génération. Je suis en mode chill. Là. Ça fait Exactement. plaisir. Effectivement, alors est-ce qu'on passe juste le euh, micro à Alfro qui puisse oui, dire salut, puisqu'il est là, il nous écoute quand même. Salut. Voilà. Pour dire, il a été là comme ça, Peut-être pourra il le taguer sur Twitter aussi. Effectivement, si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas. Donc du coup, ben, fonctionnement assez classique, même si je crois que la partie euh, traditionnelle qu'on fait sans spoiler au départ ben, va être vite expédiée parce que c'est un film qui est long, hein, c'est quand même de, le film le plus long du MCU, il y a beaucoup de choses à en dire. Donc on va quand même d'abord faire un premier tour de table euh, avec vos avis sans spoiler, bien entendu, parce qu'il ne faudrait pas gâcher de surprises. Effectivement, alors c'est un peu compliqué, je, je suis encore pas trop euh, euh, en confort avec mon avis, euh, mon ressenti en sortant de ce film, alors il faut savoir que... Que bah, du coup, c'est un film qu'on attend depuis longtemps, mais bizarrement, j'étais un peu détaché ces derniers jours de, 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 de son arrivée, bizarrement. Oui. Euh, c'est vrai. Va faire plein mais... de blagues comme ça pendant tout non, le temps. Non, mais moment. même, c'est que du coup, je, 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 tu vois, j'étais pas dans l'expectative de ouf. Et finalement, c'est peut-être pas plus mal parce que je suis entre le cul entre deux chaises. Alors, franchement, je trouve que le film est carré et tout, il y a des trucs qui bah, ben voilà, des trucs qu'on attend depuis un moment et tout, c'est la réunion de tous les héros du MCU, Thanos a débarqué enfin pour foutre des grosses patates, donc ça, ça fait plaisir, mais en même temps, je suis un peu déçu. Parce que je suis un peu sur ma fin, en fait. Je trouve que ce film est, est finalement assez plat, malgré ce qui est censé, ce qui se passe, ce qui s'y passe et tout. Et du coup, euh, et c'est surtout le côté un peu dédramatisation. On en reparlera plus tard dans le podcast, mais je trouve que ça manque d'enjeux dramatiques, curieusement. Alors que bon, euh, franchement, les enjeux sont quand même là, sur le papier. Mais je trouve qu'une fois devant, devant le film, bah, on les ressent pas forcément. Et, euh, et c'est pareil, j'ai trouvé le film finalement un peu long. Parce que du coup, ouais, en, en suivant la promo, mais tu vois sans trop la, la suivre, bah, j'ai l'impression d'avoir déjà vu tous les moments les plus, les plus sympas du film. Et du coup, où toutes les évidemment, il y a des surprises. Hein, on est encore dans la, dans la zone cryptique, donc euh, il y a des trucs euh, qui, qui m'ont surpris et qui m'ont fait kiffer. Mais euh, globalement, tu vois, j'étais assez peu surpris du film et du coup, euh, un peu, ouais, je, je suis un peu un peu euh, mi figue mi raisin pour le moment. Je peut-être mon avis évoluera. Euh, au, au, fur de ce au fur et à mesure de ce podcast, dans le bon sens ou comme le mauvais, mais pour le ouais. moment, ouais, je sais pas trop en quoi en penser. Donc, j'ai quand même bien aimé. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais en même temps, euh, je suis euh, assez déçu. Assez déçu Est-ce que tu es aussi assez déçu, Manu J'espère que tu vas un peu dire plus de. Tu peux espérer. <laughs> je fais non, que parce ça. que mon avis est globalement le même qu'Alex. Euh, oui, je pense qu'on a vécu le film de la même façon. Et je trouve aussi qu'il y a vraiment des trucs hyper bien. J'ai kiffé fait que c'est vraiment un film Thanos et en fait ils nous avaient annoncé que c'est un film Thanos et ça marche bien dans ce dans ce sens. Sauf que ça n'en fait que la moitié d'un tout et que du coup euh, tout ce qu'on était en, tro... en droit d'attendre, c'est je... pas c'est pas là quoi. Euh, ça manque ça manque d'épique, ça manque de d'un de... vrai d'un vrai arc cohérent avec les 10 ans du MCU. On n'a qu'une partie de tout ça et je sais pas, je, je reste vachement sur ma faim et... ouais je... Disons que j'ai des reproches à faire à Marestie sur ce point et on en reparlera dans la partie spoiler tout à l'heure. Ok, bon, grave. Par contre, je t'ai entendu être un peu plus réceptif pendant la séance en tout cas. C'est vrai qu'à ma gauche ça fait... bougeait pas des masses, mais à ma droite par contre il y avait quelqu'un qui, <laughs> euh, qui était insupportable, il hein, faut le dire. Donc, euh... <laughs> mais non, mais pas insupportable <coughs> autant, mais du coup un peu plus en jouasse. être ouais. Ouais, bah, moi euh, j'ai ouais. quand même. Bien aimé le film euh, dans sa globalité. Franchement, je trouvais ça euh, par rapport à ce qu'a dit Manu. Moi, je trouve que justement, l'épique, il y en avait. Euh, il y en avait quelques beaux moments, même. Euh, par contre, euh, il y a, a quand même en fait plein de petites faiblesses disséminées tout au long du, du film qui sont d'ailleurs typiques des films de Marvel Studios. Est-ce qu'il y, Et... Est qu y en aurait six Pardon Est-ce qu'il y en aurait six ah, Peut-être. Euh... <laughs> et, et du coup, en fait, bah, ces, ces faiblesses, elles font que bah, le film, dans sa globalité, il est bon, mais il n'est pas excellent. Et c'est pas pour, les, pour les, les 10 ans du MCU et, euh, et le point culminant en fait de toutes les aventures des, des Vengeurs, ça aurait dû être excellent. Ça ne l'a pas été, et ça, du coup, ça fout un coup à, à mon ressenti général sur le film. Ouais, c'est vrai qu'il faut dire que la critique n'a pas eu 4,5 sur 5. Euh, c'est peut-être révélateur de quelque chose. Et puisque je mentionne 4,5 sur 5, c'est bien sûr pour donner la parole à M. République. et art de la transition. T'as vu ça Je te l'envie. Euh, pour ma part, du coup, je suis assez partagé. En fait, je pense que j'ai glané un peu. Je vais avoir à peu près les arguments qu'un peu tout le monde a à cette table. En fait, je suis effectivement un peu le cul entre deux chaises, comme disait Alex, parce que d'un côté, il y a plein de choses qui. Moi, me paraissait quasiment impossible à mettre en œuvre euh, le côté euh, euh, point culminant du, du MCU, euh, tant de personnages, euh, tant de lieux, tant d'arcs narratifs à faire tenir ensemble. Et je trouve que là-dessus, encore une fois, euh, les deux scénaristes, euh, donc Marcus et McPhilly, euh, ainsi que les frères Rousseau, font un travail qui est assez ouf, même euh, franchement ouf par moment. Je trouve vraiment qu'ils arrivent à réussir enfin, à, à synthétiser en 2h30 ce qu'on peut avoir dans peut-être. Euh, Quatre ou cinq numéros de, de, de comics, genre euh, qui vous qui irait bien vite quoi, et euh, sans forcément passer à côté de l'émotion euh, ou de l'épique, parce qu'en l'occurrence là, je m'inscris plutôt dans le camp de Raphaël. Moi, j'ai, a vraiment des moments, j'ai frissonné. Donc, euh, je sais que, tu vois, c'était un peu limité dans la réal ou certains trucs, l'éthique de Marvel, que mentionnait Raph aussi. Et on, on va, on va devoir donner des exemples précis par la suite. Mais j'avais, j'ai plusieurs fois dans le film, je me suis dit, putain, ça me fait kiffer. Parce que je suis là depuis 10 ans et je les vois enfin se rencontrer et tout, j'ai quand même eu ce sentiment de, de comment dire, de d'achievement par par moment. Mais euh, et là pour rejoindre plus Manu et Alex, c'est vrai qu'il y a quand même un manque en fait, un moment. Je, je saurais pas. On sort seulement de la séance, donc je ne saurais pas dire quoi exactement. Mais j'ai l'impression que, comme je le disais tout à l'heure, il y a plein de le film a plein de choses à dire et à montrer. Donc il y a plein de build-up, il y a plein de personnages à, à présenter. Et au final, qu'est-ce que ça raconte bah, Pas grand-chose. Au final, je crois que c'est Thanos qui s'en sort le mieux. Et c'est en ça que c'est presque plus un film Thanos qu'un film Avengers. Ce que je trouve intéressant... Mais du coup, vu que c'est Marvel Studios et qu'il se contente généralement du strict minimum dans ce qu'il peut faire, c'est un film Thanos, mais ça va pas non plus euh, totalement embrasser son point de vue, on est forcément toujours beaucoup plus avec les vengeurs ou les gardiens, etc. Euh, même s'il y a quelques passages plus expérimentaux qui moi m'ont bien plu, là encore faudra être dans la partie spoiler. Mais du coup c'est bizarre parce que c'est comme si c'était un season Final mais que et en même temps un pilote en fait, je sais pas, pas trop comment dire. du coup' il y a, y a ce côté là-dessus, c'est fini, mais on attaque d'autres trucs. Et en même temps, des fois tu commences des choses alors que l'arc en cours n'est pas terminé, et, euh, et voilà, on en reparlera après. Ouais, okay, très bien. Et du coup, c'est à ma grande surprise que je crois être le plus enthousiaste sur un film à la sujet Donc c'est vraiment Il, y a, il y a, la réalité n'a plus d'aucun sens. Mais peut-être parce que j'ai redécouvert aussi l'univers. Le aussi MCU de, avec de notre MCU. countdown, tu l'as pas mal euh, revu à la hausse, j'ai l'impression. Bah, enfin, c'est pas un Ouais, ouais. peut-être. Bah, revu à la hausse, c'est surtout redécouvert parce que je l'avais abordé à une époque, euh, où je fusil longtemps que je n'avais pas du tout ce, cette même approche. Mais moi ce que je, après, c'est toujours une approche aussi que j'ai en basant un peu sur euh, juste sur le côté comics. pour moi, je trouve que Infinity War, bah c'est euh, c'est de l'event, c'est du crossover de comics euh, sur grand écran. Du coup, ça a les qualités euh, du crossover euh, event et ça a aussi les défauts qui sont notamment quand tu es lecteur de comics et quand tu es habitué. C'est que tu as du grand spectacle et euh, bah, on te don, donne quand même des choses. Et je pense quand même techniquement, je trouve que la, la prouesse, enfin qu'il y a une vraie prouesse à Infinity War de réussir à quand même bah, mêler vingt, vingt, une vingtaine de personnages mmh. et surtout d'avoir aussi. Euh, euh, plus. Euh. Ouais, 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 je crois que c'est jusqu'à 25, ouais. hein, euh, techniquement. Bon, après, chacun a son temps d'exposition, mais de se dire. Ils ont réussi à avoir un film avec 25 persos que globalement la, la, la majorité du public euh, connaît et, euh, et connaît bien. Enfin, c'est pas des, des gens mm -hmm. qui sont à part ceux qui sont vraiment sur le terrain pour le découvrir, et pas que personne n'a réussi à le faire encore. Et je suis d'accord qu'on peut pas tout justifier et dire ça va, c'est forcément très bien ou c'est excellent parce qu'ils sont les premiers à le faire, mais ça reste pour, un, pour moi, ça reste le, le vrai premier que recevoir. Après, on peut dire il y avait Avengers, les, les premiers du nom, où il y avait effectivement des équipes et tout ça, mais non. Dans une dimension où on veut aller vers du bigger badder, ben pour l'instant, je crois qu'on atteint euh, ouais, peut-être la limite, et peut-être peut la limite aussi. C'est que... historique euh, d'un point de vue industriel, d'un point de vue artistique, même si le film est plutôt joli et qu'il y a d'énormes moyens sur les effets spéciaux par rapport à la moyenne de Marvel Studios. Il y a vraiment des scènes qui, qui éclatent vraiment la rétine. Euh, effectivement, après, ils ont aussi trouvé leurs propres astuces. Ça, on en reparlera dans la partie spoiler. Les fameux dans 77 personnages... Euh, euh, bon, euh, c'était tout ce qu'ils ont annoncé. Au final, euh, je pense qu'on ne les verra jamais ensemble à l'écran à un moment. tu vois je, je pense qu'il y a des... Comme tu dis, ils ont aussi atteint les limites. Et après, ils jouent avec leurs propres limites. Ils le faisaient déjà dans Civil War, qui était un petit peu un test et tout. Donc, euh, je pense qu'ils vont aller peut-être encore plus loin par la suite. Euh, C'est en ça que le film euh, reste quand même super satisfaisant à regarder. quoi. Mais pas euh, transcendant. Quoi. Non, mais a... et après, ce sera peut-être un débat pour plus tard aussi, mais de dire, est-ce qu'on s'attend forcément à être transcendé par ce genre de cinéma où justement on parle aussi de produits industriels parce que c'est clairement aussi un, mmh, un... Bien Juste un sûr, produit ouais. de consommation et toujours cette notion aussi d'aller euh, ben, vers le cinéma-œuvre, euh, plus euh, du côté du cinéma en tant que divertissement, qui as une limite qui se trace. Moi, je trouve qu'elle réussit ben, parfaitement en tant que divertissement, mais je trouve qu aussi dans la, dans la construction de, de l'heure, de, de ce que c'est, euh, qui est aussi franchement quelque chose de, de très bien. Donc, c'est vrai que j'en ressors plutôt en joué, notamment. Pour ce que ça a réussi à faire mais c'est sûr qu'il y, y a beaucoup de questions pour la suite notamment qui se posent et des points qu'on va aborder par la suite puisque justement des, des questions enfin les réponses qui seront apportées vont forcément je pense conditionner le regard qu'on aura sur, une, sur Infinity War après du coup est je ne sais pas si euh, vous avez quelque chose à rajouter forcément de plus sinon on peut embrayer en, en directement dans la partie euh Spoiler, parce que c'est là où... Du coup, euh, on embraye direct sur ben, Thanos, parce que c'est quand même le sujet, du... le sujet principal du film et euh, de sa quête pour les gemmes de l'infini. Donc là, on est en spoiler Ouais, maintenant, bah on passe spoiler. Je... Attention à vous. Attention à euh... vos oreilles. De toute façon, c'est le plus intéressant. Parce que oui, je oui, j'ai aimé, j'ai pas aimé... Ai... Enfin, c'est intéressant aussi, d'avoir nos avis, sûrement. Oui, mais mais ça euh... va tourner vite en rond si on n'a ouais. pas des exemples pour me... si on peut pas argumenter. Effectivement. Effectivement, donc Thanos, Josh Brolin, donc, euh, qui est dans le rôle. Thanos qui avait été teasé en post-genre euh, de Avengers, donc en 2012, et qu'on a revu euh, supprépitissement à quel... certains films jusqu'à disparaître puisque Marvel Studios avait sûrement d'autres plans vous devez présenter encore plus de personnages afin de pouvoir justifier que tout le monde se réunisse contre cette menace ultime pour le moment on attend Galactus un jour ou l'autre mais du coup qu'est-ce que tu as pensé vraiment de cette introduction d'un personnage du coup qui a aussi énormément d'exposition parce que quand tu fais miroiter un perso ben pendant six ans tu peux pas te permettre de lui donner que 10 minutes d'exposition moi j'adore je pense c'est l'une des meilleures parties du film voire peut-être la meilleure euh, déjà, il y a une prouesse sur la mocap, euh, Josh Brolin euh, la voit et tout. Il a une espèce de présence qui fait que euh, tu le vois en fait, euh, si tu connais bien. C'est un acteur que moi j'aime beaucoup, j'ai vu la plupart de ses films et tout. Donc euh, je trouve qu'il apporte vraiment un truc euh, assez viscéral dans le rôle. Euh, le redesign, euh, même dans le, fa dans fa le fait qu'il ne porte quasiment pas l'armure euh, tout le long du film, je trouve que c'est une super idée. Euh, moi, il m'avait saoulé dans Guardians of the Galaxy. Je le trouvais pas du tout imposant. Derrière son trône en Pierre, je trouvais ça super nul. Alors que là, il a un espèce de truc. Et ça, je pense, c'est au crédit des Rousseau et de leurs scénaristes. Ils ont une espèce de compréhension des persos qui immédiatement sont iconiques. Tu vois, C'est con, mais il est introduit comme dans une planche de comics où tu as que la silhouette, tu vois, où tu as que le noir. Quoi. Et ça, je me suis dit, ok, c'est vraiment le, le feeling que je voulais voir. Et derrière, tu reconnais ses traits, il arrive à être émouvant hyper violent forcément, je pense à la Mitty Billy euh, qui sera ravi de voir euh, tant de patates de sécurité euh, distribuées dès, dès la première scène du film, donc euh, franchement pas mal, et comme on disait le côté euh, c'est un, un film solo sur Thanos euh, plus qu'un film d'équipe euh, bah, entre guillemets sauve un peu le film et leur permet de, parce que moi la plus grosse peur que j'avais c'est qu'il soit pas menaçant en fait, et qu'après 10 ans de build-up, et, que ce, et, que, ce ans, ans, et mais... que ce soit un vilain pourri au final, parce ouais, que, voilà. que quand même le reproche d'un grand nombre de Marvel c'est d'avoir des, des vilains qui, enfin, qui ont ouais des vilains pourris ou qui tombent un peu comme un cheveu sur la, la soupe là pour le coup il est, il est tout de suite central tout de suite imposant et euh, après ils en font un... tu sens que adopter son point de vue suffisait par moment j'ai un peu l'impression qu'ils en font des tonnes pour des regards il est méga puissants euh, bah, du coup on est à partie spoiler donc je peux le dire mais j'ai un peu l'impression qu'il meurt sept fois dans le film alors qu'en fait il meurt jamais vraiment, c'est-à-dire qu'il est toujours blessé gravement. Et alors, bien sûr, il y a des jeux avec les, les gemmes qu'il a. Et... Ah oui, et j'en profite pour le dire avant de laisser la parole à Alex. Mais euh, tout ce qui est, euh, tout le design, euh, le sound design, les effets spéciaux et même les idées euh, purement artistiques autour du gantelet l'infini sont incroyables. Genre, vraiment, j'ai trouvé que c'était incroyable. Et pour un mec qui aime bien aller dans les petits détails du ciné. C'est là où Marvel Studios, ça peut être que du divertissement, mais ça reste du divertissement de qualité, parce que les gars vont quand même au bout de leur idée dans certains trucs, dans l'échelle de puissance notamment, qui est super bien foutu. Donc voilà, big up à, à vous euh, nombreux. Euh, Ce que j'ai bien aimé, c'est la façon dont aussi le brosse, parce que oui, clairement, euh, du coup, Thanos, c'est le personnage le plus central, et c'est celui qui apporte les meilleures thématiques, mais la façon dont il est brossé, parce que c'est vrai qu'il est surfort, et du coup, quand on est dans la partie spoiler, à un moment, il a full gant, donc clairement, bah, il est surpuissant et je trouve que du coup il, il twiste un peu tu vois la, 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 la pensée de Thanos dans le sens où il veut juste rétablir en fait son objectif il l'explique euh, tout simplement c'est genre non mais moi je veux juste rétablir euh, genre l'égalité dans la, la galaxie c'est un peu c'est un peu euh, la balance c'est un peu euh, Star Wars ouais mais non pour mais... Le, et pour le coup c'est fidèle euh, enfin français fidèle à, à une partie de l'aspect que ça oui, 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 sur le personnage c'est hein. celle qui il brosse ça dessus pour le rendre tu vois vachement plus humain et tout et je trouve c'est un peu malin parce que clairement tu vois, il, 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 en vrai quand il a le gant de l'infini il est surpuissant le personnage et c'est vrai qu'il y a plein de fois où finalement il tue pas forcément tu vois, les, des héros alors qu'il pourrait les sécher en deux secondes et qu'il en aurait limite rien à foutre. Mais c'est vrai que du coup je trouve que c'est le personnage le plus intéressant et qui amène des thématiques. Moi ce que j'aime bien c'est toujours les parallèles avec notre, notre propre univers. Et c'est vrai que du coup, bah, ce qui est un peu dommage c'est que c'est justement expédié, comme on disait, il y a beaucoup de personnages donc beaucoup de thèmes passés pas à la trappe. Mais c'est vrai que ça parle un petit peu aussi de. De, de surpopulation, un truc comme ça, et c'est, je trouve que c'est quand même intéressant de prendre Thanos et ça en fait un, un personnage très intéressant, je, parce que du coup, euh, il, du coup, ça le rend euh, vachement plus humain en fait que qu'il n'était avant, tu vois, on nous le montrait que comme un, un méchant, enfin plus humain, c'est un peu con du coup de dire ça, parce que c'est clairement pas un humain, mais euh, je trouve que ça le rend clairement plus intéressant et, et ça valide le fait que Marvel Studios quand même euh, maîtrise de mieux en mieux ces vilains. On a pu le voir dernièrement dans les derniers films, et du coup, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Ouais, moi, je suis d'accord avec, avec toi, Alex, et je trouve que pour le coup, c'est un personnage. Il est presque la façon dont il est mis en scène, et tout c'est presque théâtral. C'est presque un personnage de théâtre. Et d'ailleurs, euh, vu qu'on est en spoiler, tout, toutes les fois, euh, enfin, beaucoup de fois, il rentre dans le champ des, de, de la caméra ou des persos vraiment comme une apparition théâtrale. Il vient de nulle part, enfin d'un portail, quoi, et il apparaît, il fait son truc, il repart dans son portail. C'est vraiment le Deus Ex Machina, mais au sens propre parce que c'est un dieu, quoi. C'est un vrai un titan. Ouais, il y a un truc euh, qui moi j'ai trouvé assez intriguant dans, le, dans la même idée de ne pas le mettre en armure, c'est qu'il n'est jamais, jamais aux commandes d'une armée dans le film, sauf dans le flashback où il récupère Gamora. Ce qui le rend quelque part encore plus menaçant. Parce qu'il y a un moment, où je me dis mais il fait n'importe le mec. Il y a 12 gars qui sont en train de lui, lui, lui tendre un truc. Il n'a pas d'armure, il est solo. Et je trouvais ça étrange en fait. Parce que je l'imaginais toujours un peu escorté, tu vois. Et en même temps, il est tellement puissant. Que... C'est parce que ça marche dans son histoire en fait. Ouais. C'est un est... sacrifice personnel, c'est une quête perso. Où, Exactement. ou C'est là le côté dramatique du personnage. C'est là mmh. que je trouve, le trouve bien traité. C'est qu'il est. Qu il est... Enfin, à la fin, il le dit, il a tout sacrifié pour euh, essayer de sauver la galaxie de son point de vue, quoi. Mmh. Et, et c'est assez drôle parce que du coup, ça en fait un, ça en fait un, un, un faux méchant dans le sens où euh, fondamentalement, ce qu'il veut faire, bon, c'est un gros génocide, hein <laughs> Mais euh, c'est euh, dans, dans sa tête, il a des bonnes in intentions, tu vois. Mmh. C'est pas, c'est un peu le problème des persos, euh, des méchants Marvel jusque-là, c'est que c'était des méchants méchants, quoi. Bah, après. Euh ce que disait Alex tout à l'heure, les derniers méchants, tu vois, par exemple, si on prend Killmonger dans, dans Black Panther, c'était aussi un peu ça. C'était un méchant qui avait fondamentalement un bon un bon fond, parce qu'il avait un, des bonnes idées, enfin, il, il pensait que sa cause était juste, mais... Euh, bah, pour méchant. moi, c'est un méchant, tu vois, c'est une vision de l'esprit, enfin, c'est une vision de perspective, parce que clairement, en plus, lui, son plan Thanos, pourquoi pas on, Il nous dit, bah, ma pla fin, notre planète, parce qu'il prend l'exemple de Titan, donc... Bon, comment... Voilà, il dit sur ma planète, c'était la merde. Donc, j'ai proposé à tout le monde qu'on bute de fa des gens de façon impartiale parmi les pauvres, les riches et tout. Bah, clairement, bon, C'est bah, un peu difficile, tu vois. Tout le monde est là, bah non, on va pas faire ça. Et après, il justifie en montrant bah ouais, mais t'as vu comment en titan a fini au final, tu vois, j'avais presque raison. Donc, au final, enfin, ça qui est intéressant, c'est juste que le mec il veut sauver sa planète à la base. Après c'est un peu parti en couille parce qu'il s'est dit je vais je vais faire ça sur l'échelle de l'univers mais du coup c'est ça qui rend les personnages les méchants justement intéressants c'est oui des, je claque des doigts quand j'ai tac pour mettre du rythme dans mes phrases mais non mais c'est pour euh... surtout que c'est pas de les faire mourir c'est juste de les faire disparaître mais il souffrent pas techniquement es, c'est juste que ouais, ça, jour, en fait. donc il y a... enfin quand il dit que s'il appelle ça vraiment une sorte de de, de mercy tu vois de... De... Je ne sais plus comment ils l'ont traduit. Moi, c'est ouais, je pitié, crois. Ouais, ouais, pitié, ouais. Tu vois Mais c'est pas. C'est pour ça aussi qu'il ne tue pas de, de, de ma propre les, les personnages parce que justement, c'est pas. Ouais, c'est pour ça, tu vois, ça le rend vachement. C'est euh, euh... plus compliqué que simple vilain et forcément, tu t'identifies plus au personnage, même si bon, j'ai pas envie de faire de génocide, rassurez-vous. Mais du coup, c'est vrai que bah, tout de suite, il est plus parlant et je trouve que bah, il... pour le coup, ça l'élève. Par rapport aux premières fois où on l'avait vu, où il était juste un peu débile. Quoi. Il souriait sur son trône. Et il dit oh, Je vais m'en charger moi-même, hein, parce que personne ne sait faire. Mais voilà, tu vois. Je pense que c'est vraiment le personnage le plus intéressant du film. Et heureusement, puisque c'est un peu celui qui est creusé pour, une fois. Enfin, pour la première fois. Et puis, c'est ras des thématiques, justement, par rapport à tout l'aspect presque. Pas écolo, enfin si écolo de sang, enfin, mais euh, enfin c'est quand ce que j'ai euh, revu une, une anthologie sur Thanos euh, pour les pour préparer ce film. En fait c'est le discours écologique, l'équilibre entre euh, le fait qu'il y ait trop de gens qui, qui du coup vivent et qu'il faut rétablir l'équipe sinon ça casse tout. C'est euh, du Jim Starlin dans euh, Silver Surfer 35 qui est sorti il y a euh, 30 ans. Donc c'est un truc qui, qui était déjà euh, enfin visionnaire, euh, mais je pense parce que les problématiques environnementales étaient déjà là il euh, y a 30 ans, mais c'est du coup un aspect fidèle de Thanos qui est vraiment euh, repris et tu vois l'apport la ben, de ce scénariste euh, pour la, constru du, la construction du film et aussi pour d'autres aspects, parce que Thanos en tant que tel, il y a aussi cette figure qui est romantique, qui veut est, enfin qu est amoureux de la mort, de la, vraiment de la mort, et que ça tu pouvais pas le faire euh, dans ce film, tu pouvais pas forcément pas tout de suite. suite. Moi je pense que mais c'est peut-être un concept qui est en, encore trop, enfin qui est pas accessible euh, entre guillemets au, au grand public, mais tu arrives quand même à garder un autre aspect qui est purement bah, repris de, des écrits, mais qui arrive à rester tangible par rapport euh, au fait de le présenter à un grand public et de donner une justification à Thanos qui est pas juste euh, je veux être méchant et je veux être puissant pour tout détruire, because uh, I can, tu yeah. vois. Quand je parlais d'expérimentation tout à l'heure, je pensais à toutes ces espèces de scènes où il est tout seul sur cette, euh, sur cette eau un peu infinie et tout. Je trouvais ça super joli d'avoir ça. Et du coup, euh, par rapport à ce que tu disais sur le fait d'être un et de la mort et qu'on puisse pas le montrer, bah, en fait, je pense qu'ils s'en sont approchés et qu'ils ont pas voulu. C'est en ça, dans la partie non-spoiler, je disais qu'ils vont, ils vont pas assez loin. C'est que, comme l'a dit Manu, il manque un petit peu de dramaturgie dans tout ça. Et au final, euh, avoir cette représentation de la mort, euh, tu vois, euh, même juste une voix off ou un truc, tu vois, l'aurait peut-être rendu encore plus tragique. Il bah, y a une, une silhouette en cap un moment, j'ai cru que c'était, j'ai vraiment cru que c'était ça oh, la première fois. Ouais, moi aussi, ouais. Mais euh, après, euh, justement, la, la scène où il est, euh, où il est, où il est dans, enfin, dans la mer là, comme tu dis, euh, à la fin, <laughs> et ben, euh, je trouve que la personnification de la mort, tu l'as presque euh, en la personne de Gamora enfant qui, qui lui fait, qui lui fait ses reproches, enfin, qui lui dit, euh, ben bah, voilà, t'as fait, as fait ce que tu voulais faire, euh, t'as fait ce que tu voulais faire, bah, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as sacrifié pour ça, quoi. Effectivement. Ouais non, mais euh, non, parce que... il discute à côté aussi, il me, il me perturbe. Donc, Pointanos, point donc, quand même le point fort du film, est-ce qu'on sera d'accord pour le dire En tout cas, en termes de caractère développement, parce que du côté, du côté des Avengers, il y a quand même un personnage aussi qui ressort euh, et qui est forcément. De toute façon, les Russo l'avaient aussi euh, vendu dans leur discours euh, de, leur, de leur tournée de presse, c'est Thor qui a aussi une évolution et qui, même par rapport à, à beaucoup de critiques qui ont été faites, notamment à Thor Ragnarok qui euh, cassait le personnage encore plus en le mettant dans un discours vraiment ultra comique où là en fait ils arrivent à se racheter avec euh, cet arc là et à refaire en fait, enfin vraiment à donner cet aspect, tu parles d'échelle de puissance, vraiment de, de Thor aussi comme puissance déique, vraiment que t'arrivais pas forcément à avoir parce que c'était euh, trop drôle. Euh, bah après as toujours de l'humour mais c'est plus apporté par le côté Guardians of the Galaxy parce que tu pouvais pas faire un passage avec les Guardians euh, et que ça devienne euh, pas drôle d'un coup, et là par contre as vraiment dans tout, dans, tout, dans tout le process, et aussi, tu, ça développe aussi une nouvelle partie aussi de, la, bah, de la mythologie de Thor avec le passage sur la planète. Euh, L'étoile euh, des. Pinter Pinter Dinklage <laughs> qui joue le nain géant. Attention, c'est astuce. Du coup, Thor, euh, ouais. Toi pour qui le adore coup, Thor, ouais. euh, bah, Je sais pas si j'adore Thor, mais en tout cas, ouais, j'ai bien kiffé Thor dans ce film et je pense qu'il a la meilleure tirade. Euh, pour moi, il a celle qui m'a le plus parlé, c'est celle où il est dans le vaisseau avec Groot et et qui lui explique que, euh, tout ce qu'il a perdu ça lui permet d'être super combatif et que le mec il lui fait ouais, mais peut-être si t'as tort et qui lui dit bah du coup j'ai plus rien à perdre puisqu'il vient de faire le listing de tout ce qu'il a perdu et je trouve qu'il joue vachement bien en plus euh, Chris Hemsworth pour le coup parce que là je l'ai fait un peu en manière rigolo mais c'était vraiment assez dramatique quand il explique et que tu te rends compte bah ouais, du coup en fait tu as plus rien à perdre vu que tu déjà tout perdu et après ouais je trouve que le personnage est assez elle enfin elle meilleur arc euh, à le meilleur arc mais qui est pas non plus euh, qui n'est pas non plus super mis en avant, tu vois. On pourrait même dire qu'il a le seul vrai arc. les autres sont juste là pour être là, mais on pas de vraie histoire à eux. Vision, il y a quand même tout un bail autour de lui. Effectivement, parce qu'il est central. Mais c'est vrai que Thor, au final, a un arc qui est pas non plus super dense, dans le sens où il sert pas grand-chose, si ce n'est à récupérer un marteau. quoi Enfin, il est quand même là pour montrer que c'est lui le plus fort des Vengeurs. En fait, avant qu'il arrive, ils sont dans la merde. Oui, c'est lui qui fait... Et à la fin, il arrive en deux ex machina littéralement, mais mais euh, je voulais rebondir sur ce que tu disais sur, euh, sur les arcs des personnages. On voit d'ailleurs euh, clairement dans, sur, sur certains personnages que le film est totalement coupé en deux, puisque tu as un arc qui est lancé sur Tony Stark juste avant que l'action commence et qui n'a pas de conclusion. À la fin, Tony Stark, il est sur sa putain de planète assis en train de pleurer, quoi. Et il a juste pas de conclusion. Là. La conclusion, c'est euh, à l'année prochaine, quoi. Effectivement. Ouais, et tôt. du coup, euh, c'est au, au moins tort un hein, développement sur le film. Thanos aussi. Thanos, ça, fin, ça pourrait s'arrêter là. Lui, il a, il a sa propre conclusion. La vraie conclusion, ce serait qu'il viendra un moment où il va niquer la conclusion pour les autres C'est juste, ça, euh, vous avez perdu, niquez-vous, et puis voilà, ça, ça arrive de perdre, tu vois. Failure. Oui, mais tu conclus pas sur un truc qui va totalement à côté de la construction de ton arc, tu vois. Faut, faut au moins apporter une... Faut au moins boucler quelque chose. Là, ce qui n'est pas le cas. Mais euh... oui, du coup, euh... excusez-moi, j'ai un peu dévié, mais Thor... Euh... Ouais, c'est clairement le, le meilleur et le seul arc de, du film. Il a le, le mérite d'avoir été sorti du MCU, enfin euh, de la continuité du MCU euh, après Jeff Eltron, qui fait qu'il a pu évoluer dans son coin et avoir, bah, à travers un film en même temps, mais euh, avoir un univers qui s'est développé et euh, avoir euh, une vraie relation avec son frère qui s'est développé, avec d'autres personnages et, et même avec Hulk, d'ailleurs, même si c'est pas du tout explo exploité du coup sur la fin, quoi. Euh, peut-être par la suite, mais ouais, je pense que c'est le, je pense que c'est le, le... Oui. le poids lourd du film, et ouais, je, je, je regrette un peu de, du coup de me dire qu'on va pas avoir forcément beaucoup plus d'histoires sur lui par la suite, quoi. Bah, il devrait ouais, devra quand même rester un élément central parce que ouais, il fait partie de ceux qui restent, on va les appeler euh, les, les ceux qui restent. <laughs> Du coup, ouais, Raph, Raph, ton avis, du coup, sur le développement de, de Thor aussi euh. Ouais, bah en fait, moi, quand je parlais d'épique avant, euh, bah, clairement Thor, c'est pour moi le personnage de tout le film qui a le plus, euh, qui m'a fait le plus ressentir euh, la notion épique, euh, parce que déjà, effectivement, il est son build-up, il est très bon. Il est, on voit que Ragnarok, ça lui a vachement servi, parce qu'il a mûri, parce que euh, il est devenu beaucoup plus profond et, et beaucoup plus. Euh, bah, il a perdu énormément déjà dans le précédent film et là au début du film il perd encore plus donc il est vraiment au bout quoi, et il donne tout et tu le sens qu'il n'est bah, pas là pour déconner quoi, clairement euh, et que bah, toutes les scènes effectivement où, où tu le vois euh, entreprendre des, des actions il est à chaque fois vachement investi et vachement euh, euh, pertinent dans, dans, dans ce qu'il fait d'ailleurs c'est marrant parce qu'il amène aussi une touche d'humour à un moment euh, d'humour dramatique un peu à la Takeaway Titi. Quand euh, il découvre Gamora et qu'il découvre qu'elle est la fille adoptive de Thanos, Adopti <laughs> <Staros>. ah, oui. <laughs> qui fait ouais tu viens de buter, enfin ton père il vient de buter mon frère et puis là euh... ah, non moi, mais la famille c'est compliqué quoi. Une la famille c'est compliqué et derrière en fait t'as tout le drame de toute sa vie <laughs> où tout le monde meurt et tout le monde s'entretue les uns les autres. Euh, J'ai trouvé ça assez marrant tu vois. J'ai pas trouvé d'ailleurs le film trop lourd au niveau humour. Ouais. pour une fois je trouve que c'est vachement bien dosé comme tous les films des frères Rousseau jusque là quoi. Je trouve que l'humour au final tu l'as le l'humour entre guillemets à la Marvel Studio, tu l'as typiquement sur les sur les séquences Guardians et euh, un peu moins sur les autres séquences. Excusez-moi, Arnaud. Oui, je suis pas d'accord, et Arnaud m'a donné un coup de jus en transmettant ce micro, qui était des, des plus euh, euh, Du coup, ouais, ce que je voulais dire, c'est que euh, par rapport à l'humour, alors je suis d'accord avec euh, le commentaire de Manu sur le fait que l'humour est bien dosé généralement chez Rousseau Ici, je sais pas du coup exactement ce qui a fait que ça peut aussi être vachement lié à la, à la salle, pour le coup, j'ai pas envie de forcément le retenir, mais j'ai vraiment l'impression que par moment, Marvel Studios ne sait pas où, où, à quoi il a habitué son public en fait. C'est-à-dire que il y a beaucoup de moments dans le film où la façon dont c'est cadré, la façon dont c'est rythmé, les gens attendent une blague, parce que ça fait 10 ans qu'ils ont été habitués à une dédramatisation, qui fait que même quand il n'y en a pas, les gens en trouvent une et rigolent à des, mo à des moments qui, franchement, dans les premières minutes, ne sont, sont pas drôles. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup gâché les, pre les, les, les premières minutes du film par rapport à ça, parce qu'il y avait beaucoup de trucs. Et je trouve notamment que la mort de Loki, dont on se doutait un petit peu euh, l'arrivée, on, on savait que c'était un très bon candidat pour dire, il euh, n'y a pas assez de morts euh, dans, Mar dans Marvel Studios. Vous allez voir, dès, dès les premières minutes, on va en tuer un. Voire deux, parce qu'il y a aussi Emdal oui, qui ouais, meurt. -DAL, ouais. Donc, euh, et, et... Et en, et en fait, on voit pas corps gimmick, donc euh, ça va, ils sont vivants. Mais euh, non, mais du coup, j'avais trouvé, enfin, j'ai trouvé que la façon dont c'était mis en scène, la façon dont c'était monté, faisait qu'à chaque fois les gens étaient là, genre, ah, il va faire un truc et tout. Et, et ouais, même même dans sa mort, tu vois, Loki, le, le dernier moment, j'ai l'impression que les gens attendaient une blague, tu vois. Et j'étais mais et putain, arrêtez pour une fois qu'on a de la dramaturgie, cesser de rigoler, quoi. D'ailleurs, ils ont rigolé sur le We Have Hulk, alors oui. que pour moi, c'est pas du tout drôle, tu vois. C'est dans l'évolution du perso, c'est. Il a, il a changé de camp et oh, c'est kiffant à la rigueur, tu vois. Mais, mais ouais, mais je le voyais pas comme une blague, quoi. Oui, c'est ça, c'est plus une, une méta-référence, méta mais c'était pas là pour que les gens ils soient morts de rire. Et le, et le pire exemple que j'ai de cela, c'est du coup euh, quand. Euh, le pistolet euh, à bulle. Oui, c'est le pistolet à bulle avec Star-Lord qui s'apprête à tuer Gamora. Alors j'adore la réplique de Thanos où il dit, bah je l'aime je, je je bien, tu ouais. vois. Euh, mais euh, la façon dont c'est. Déjà, le fait que ça soit des bulles, euh, c'est le cas, mais euh, avant même de voir les bulles quand en fait le pistolet ne tire pas j'entendais je, je, les gens rigoler tu vois et je me suis dit mais en fait c'est pas Star-Lord qui essaie de faire un truc et, fin, et, et en même temps ça a ce côté super intéressant parce qu'on est dans une espèce de truc j'ai envie de dire rousseauien je sais pas trop mais il y a souvent des trucs comme ça parce il y avait déjà aussi des trucs comme ça en Civil War où tu voyais une action et c'était super glauque et en même temps tu sais les gens étaient là <laughs> <laughs> non, je sais pas. Non, surtout et... que ça donne à rien de drôle. Enfin, moi, la, la première fois du fou que je l'ai vu, je me, suis dit, je me suis dit au début, je me suis dit merde, mais ils essaient d'en faire une blague parce que je disais mais il n'y a rien de marrant. Et, en fait, et après, tu te rends compte très vite qu'en fait, non, c'est vraiment pas drôle parce que du coup. Mais là, ben, dans la, la salle où on des était, euh... et là, les gens ont éclaté de Et je, je me dis, il ouais. y, a, y, a, y a quand même des séances tests pour tout ça, généralement, tu vois, pour leur dire que bah, sortez peut-être du montage et du cadrage habituel où on s'attend à trouver une blague, tu vois, notamment quand tu vois pas toute la scène. Tu te dis, bah oui, ça va arriver sur le pistolet, on va avoir des bulles euh, ou de l'eau, ou que sais-je, tu vois. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage qu'ils sachent pas, ou alors peut-être ils veulent justement jouer, mais je trouve ça pas très sage de leur part. Mais euh, par moment, j'avais l'impression qu'ils savaient pas à qui ils s'adressent, et qu'au au bout de 10 ans, ils devraient quand même savoir ouais. qu'on est habitué, euh, c'est un peu du nivellement par le bas, à avoir toujours une bonne blague au moment où il y a un truc dramatique qui se passe. Quoi. Ça reste un public familial quand même, il faut aussi se, se garder à l'esprit que ça vise un public familial aussi. Tu peux viser un public familial Et... sans faire de la mort de quelqu'un une blague. Non, mais effectivement. Mais, non, <laughs> mais, le, mais le, le, la deuxième chose, est aussi que justement, euh, parce que là, on est quand même dans un film qui est sûrement le, celui avec les enjeux les plus dramatiques quand même euh, dans, dans le MCU, qui se disent « Merde, on a un film avec des vrais enjeux ». Est-ce qu'il ne faut pas quand même qu'on rajoute des choses à côté pour pour pas trop perturber un public qui je sais pas, va se dire merde, Marvel fait des films sérieux et que du coup. Bah euh... je, ouais, je ne sais pas. Je pense qu'ils sont aussi, effectivement, il faut qu'ils respectent un petit peu leurs formules, leurs habitudes par moment. Mais je trouvais que c'était le film aussi pour les casser. Surtout que civil war ne l'avait pas été ce film, tu vois. On attendait déjà il y a deux ans qu'il casse un petit peu ce truc-là. Les Rousseaux arrivent bien à mélanger l'humour et tout, et, et leur scénariste aussi. Mais au final, les trois Captain ce c'est pas les films les plus drôles du MCU, loin de là. Mais euh, et, et là, on est clairement pas dans du Wedon où il y a de la vanne à tirer la rigo au milieu de l'action, tu vois. Mais il y a quand même toujours des trucs qui tâchent tu vois, par moment. Et me disent, euh... <laughs> du coup, euh, tiens, c'est euh, c'est relativement bizarre. Il y a une scène où, où ça m'a fait penser à ça, mais on y reviendra. Et euh, bref, du coup. Euh, ouais, je sais pas sur l'humour, tu vois. Je suis moins convaincu que, que Manu. Quoi. Faudrait que je revoie dans une salle peut-être où il y a moins de monde si j'arrive à ressentir plus de trucs. Parce que je sais que par moment, euh, y avait, y, y, le film m'a vraiment touché. Tu vois, et s'il n'y avait pas de guignols qui, qui rigolaient en même temps, j'aurais sans doute été encore plus touché. Pardon d'avoir euh, monologué ouais, parce qu'encore sur le mot, même si tu dis qu'il n'y a pas de vanne pendant l'action, mais Spider-Man est euh, fidèle à lui-même et euh, en fait beaucoup. Tu as aussi même des. Il y a tu... une blague avant le générique hum? quand, quand cette bonheur s'écrase. Et il dit uh, Thanos is coming. Et uh, c'est juste uh, Strange qui lui répond où Et puis uh, ça marque uh, Avengers Infinity War. Ouais, le ouais. film s'ouvre sur une blague. Mais... Ouais, mais je trouve alors, que l'humour était une, bien dosé. C'est une, une blague Ouais, je ne l'ai pas. Bah, si, c'est clairement une blague. Ah. Ok. okay. <laughs> je là, dans le sens où tout le monde attend Thanos depuis longtemps, tout le monde sait qui c'est Thanos. Et du coup, il, il dit Doctor Strange il dit, c'est un qui et après c'est marqué. Il y avait C'était très très rigolo. <laughs> ouais. Comme quoi l'humour. Hein. Ouais, j'ai pas grand-chose à dire sur l'humour, mais comme j'ai le micro, je vais quand même en parler. Mais pour, pour le coup, pour une fois, ça m'a pas dérangé non plus. C'est vrai qu'il y a plein de personnages en fait qui fonctionnent à l'humour, donc forcément, tu sais que ça va être l'huile du, du film. Et je pense que c'est le public aussi. Euh, le, le public s'attend à, à de l'humour et à presque le réflexe de rigoler de, avant des blagues. Moi, c'est plus ça, tu vois, qui m'a dérangé moins tu vois l'humour dont dans la manière dont il a été dosé parce que je trouve qu'il est plutôt bien dosé il y a même deux trois fois où j'ai rigolé pour euh, vraiment alors que ça m'arrive très rarement au cinéma et du coup ouais non c'est vrai que bah, première scène genre quand il y a Hulk contre Thanos et que Tator qui vient lui mettre une patate tout le monde a rigolé et du coup moi j'étais là bah ouais, merde ouais. en fait on a l'impression que le public est presque sait qu'il va rigoler et du coup il, des fois il rigole trop tôt tu vois il veut rigoler avant son voisin en disant <laughs> j'avais la blague avant toi mon <laughs> petit patre et du coup ils sont tous ils se mettent tous à rigoler des fois mais après je trouve que ouais, moi j'ai trouvé l'humour bien dosé mais ouais alors justement un point quand même particulier le, tout le délire autour de, du Hulk qui veut pas revenir euh, après Banner et euh, le, le... Ouais, non, mais parce que tu m'as dit ça m'avait dérangé, mais moi, c'est quand même ces passages-là qui m'ont dérangé, notamment dans la séquence à New York au début, quand du coup, il fout la honte à truc, et... Bruce Banner, globalement, j'ai trouvé super laid dans ce film. Ouais, bah, mais même en tant qu'acteur, Wolfalo, je trouve sur je sais pas comment il est. Tanofis comique Ouais, on dirait qu'il est complètement. Il s'en bat les couilles et tout, c'est vrai qu'il a toujours cet aspect détaché et tout que j'aimais bien, du coup, dans le personnage. Mais là, pour le coup, je sens qu'il s'en bat les couilles et. Et tu vois, ça fait. Et c'est là où aussi le film me déçoit par rapport à ces personnages. Et peut-être le fait qu'il y en a trop. Mais il y avait quand même une putain d'intrigue qui était en cours entre bah, Nat et du coup. Et Bruce. Et ils se revoient. Ils sont juste un genre. Hein. Est ça, ça, Nat C'est gênant. Et après, c'est. Ouais, c'est gênant. Et voilà. Et du coup, ils n'ont pas de nouvelles interactions. Et comme je trouve que. En plus, Bruce Banner, il prenait quand même. Avec Ragnarok et tout. Oui, oui mais les arcs sont pas finis, c'est sûr. Mais du coup. Euh c'est vrai que Bruce Banner a pris de l'importance avec Ragnarok et je l'avais trouvé super impeccable et là le fait qu'il joue encore une fois avec euh, cette non maîtrise de Hulk et tout euh, enfin à la rigueur tu vois limite ils auraient pu faire dialoguer les deux ouais c'est vrai que c'est dans le sens inverse de Ragnarok donc c'est un peu con quoi enfin puis laisser de se transformer ça leur rend un peu ridicule ou genre son coup devient un peu vert genre j'y arrive pas ouais c'est vrai que euh, Mark Ruffalo ça fait deux trois fois quand même que je suis pas trop sûr et pour Ragnarok il m'avait rassuré et là tu vois j'ai trouvé vraiment un côté de la plaque il a l'air genre fatigué de ouf et de s'en battre les couilles toujours juste sur l'aspect humour pareil cette blague où il est dans la Hulkbuster et qu'il trébuche il se casse la gosse enfin mais peut-être que là ça rejoint plus l'humour pour gosse parce qu'il faut aussi faire plaisir au quoi mais moi ce que je pense enfin la façon dont je l'ai interprété ce que tu disais c'est qu'il s'est fait mettre une branlée par Thanos au début du film Hulk et du coup il a perdu. Et du coup ben il a plus envie euh, quand euh, quand Banner lui dit euh, bah vas-y bats toi. Bah, c'est la première fois que Hulk connaît la défaite concrètement en fait. Et du coup il se dit bah non c'est mort. Euh, je vais pas me battre. J'ai pris la défaite. Je l'ai affronté. Il m'a battu. D'habitude c'est moi le plus fort. Là pour une fois c'est pas moi le plus fort. il bah, y a aucune raison que je me prenne de nouveau une branlée. Donc euh, tu te débrouilles quoi. Après, ça... oui c'était ça du coup et ça se justifie aussi peut-être parce que par le fait que s'il y avait Hulk dès le début bah, bah il défoncerait tout le monde quoi. Bah, et <laughs> surtout un peu que le là t'aurais eu le team-up euh, Thor plus Hulk au Wakanda euh, euh, bah, c'est bon il oui. n'y bah, avait plus de films oh, ah, dans la plié, suite quoi. mais ouais mais oui du coup c'est dommage euh... Moi, je, sais pas, je pense qu'il y avait mieux à faire quand même avec ce bon vieux Hulk et ce, bien, ce bon vieux Bruce Banner d'ailleurs dans son arc on est typiquement dans ce qu'on disait sur le fait que c'est la première partie d'un tout il euh, n'y a pas de résolution on comprend pas vraiment enfin là Raphaël me rappelle que Hulk était au début du film ce que j'avais oublié tu vois. et je me dis ah oui c'est possible que ce, soit, que ce soit pour ça qu'il se planque c'est parce qu'il a perdu c'est une bonne va pouvoir... justification sur le moment, mais est-ce que ça te dit. Euh, du coup, tu n'as pas l'impression que le personnage n'a pas avancé, quoi, alors qu'on est dans le film, comme tu le rappelais, Alex, que, où il y a les plus gros enjeux une <laughs> MCU depuis toujours. Quoi. Donc, c'est un peu bizarre que des personnages, au contact de ces enjeux, ne soient pas modifiés d'une manière ou d'une autre. Et oui, je trouve ça aussi dommage qu'il n'y ait pas eu autre chose qu'un regard entre Scarlett Johansson et, et Mark Ruffalo euh, euh, parce que je chippe beaucoup cette, cette relation depuis Jeff Ultron. Il y a eu un plus grand regard entre Scarlett Johansson et Elizabeth Olsen qu'entre Scarlett Johansson et Mark C'est ce, ce le moment où Girl Power du film est quand même assez extraordinaire. Mais, euh, mais du coup, euh, là au final, je trouve que la relation amoureuse entre Vision et Scarlett Witch, elle était plus intéressante et elle se développait mieux. Alors que concrètement, la dernière fois qu'on les a vus ensemble, c'était dans Civil War où ils se mettaient dessus. Parce que Vision était dans le camp euh, Tony Stark et, euh, et Scarlett Witch dans le camp euh, Cap. Et là. Ils sont ensemble à Prague ou je sais pas... non en Écosse Ils sont ensemble en Écosse et genre euh, ils vivent une vie d'amoureux parfait Scarlett Witch elle se réveille dans son lit euh, tranquille, à vision euh, au bord de la fenêtre, euh, sous la pluie tranquille, petite romance et tout. Il y a eu un bon build-up Mais c'est quand même deux ans plus tard et ils te disent clairement que ça fait deux ans qu'ils essayent de faire marcher le truc. C'est ça. Et ça a l'air de marcher euh, concrètement quoi. Ouais bah ouais jusqu'à un certain point. <rire> <rire> ça marche pas mal au début. Ça. Justement, vision en tant que MacGuffin vivant, est que ça. Parce qu'on passe beaucoup de temps à. Qu'est-ce qu'on passe du temps quand même à est ce qu'il se fasse retirer cette putain de pierre de, de son fond bah, moi j'adore le fait que, tu, que, euh, que Thanos utilise la pierre. On, de, tu, tu vois, c'est tu le vois le truc et tu fais bon, bah, il va utiliser la pierre. Puis il l'utilise et puis t'es là, genre, bah ouais, il est, du coup, il est ultime. En fait, tout ce que je voulais voir, c'est le voir échouer puis utiliser la pierre. Parce que je me suis dit, en fait, à partir du moment où on a vu ce qu'on pouvait faire avec dans Doctor Strange. Euh, le mec, à partir du moment où il l'a, il fait ce qu'il veut en fait. Genre, ah, j'ai perdu, bah, je remonte de 20 minutes avant que je perde et puis je m'en occupe. Et du coup, j'ai trouvé que c'était même la façon dont se recomposer Vision et qu'il lui enlevait le truc. Et tu sais, la lumière tombait de son costume et tout, je trouvais ça vraiment magnifique. C'est pour ça qu'il sait l'utiliser en fait, c'est parce que c'est Dormammu et du coup, il l'a déjà vu utiliser, donc il sait utiliser le truc pendant le temps. C'est pour ça, ça pour ça que je voulais te parler de, de Dormamou et Stados. Mais moi, pour le coup, bah, Vision, tu vois, c'est un personnage vachement intéressant dans le film parce que c'est un peu ce que je reproche au film globalement, tu vois, c'est de faire. De, de, de faire monter des enjeux pour finalement qu'il y en ait pas du tout tu vois ils te, ils te font une porte de sortie à vision il y a un arc de il y a un arc sur vision alors dans un film super dense où il faut pas tu vois tu peux pas tu peux pas mettre des arcs qui servent à rien et en fait l'arc de vision pour moi il, il sert, sert pas à rien. non mais il sert pas à rien parce que il est important ce personnage mais pendant longtemps ils essayent de trouver une solution pour le sauver alors qu'au final il va lui il va lui juste lui enlever la pierre de son front tu vois et pour moi c'est genre de ça fait partie de trucs Dû être économisé dans le film. Vision est un personnage central puisqu'il a une pierre, donc forcément il devait être mis en avant, mais tu vas, tu fais pas un arc narratif dans lequel tu essaies de trouver une solution pour le sauver, pour qu'au final, ce qu'on te répète depuis le début, c'est ce qui se passe. Quoi. Il lui arrache la pierre du front et puis marre quoi. Mais euh, Après, moi, c'est un reproche que j'ai plus globalement au film, c'est le fait que tout le film soit sur le fait qu'il récupère toutes les pierres. En fait. bon, c'est un peu global, mais je m'en profite pour le glisser là. Mais c'est vrai que, en fait, comme euh, la préparation du MCU nous montrait déjà qu'il y avait des pierres, à tel un tel endroit et le fait que Thanos était surpuissant, bah pour moi ça méritait pas Mais un film qui, tout entier ce qui est sur juste est en le fait qu'en le mec n'a pas récupéré une ouais, pierre ça, en fait tu, tu vois c'est qu'au final tu as un build-up ouais mais enfin, ils te disent ouais, euh, la semaine d'avant. Déjà, c'est euh... pas disant parce que Avengers 2, c'était. Oui, donc un, mais voilà. c je, ce que je, les pierres d'infini, c'est quand même euh, à partir de Captain America. Donc, c'est quasiment la même année. Donc, ça changera rien. Mais ce que je voulais dire, c'est que t'as quand même tout un build-up sur un univers en te disant Ah bah, comme ça, quand il arrivera, il n'y aura pas besoin de montrer qu'il chope toutes les pierres. Et en fait, non, tu, tu, il te montre quand même qu'il chope toutes les pierres. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'ils avaient. Enfin, je pensais qu'ils avaient CGAisé le gant et qu'il arriverait direct avec 3. Tu vois. Au final, tu revois le collectionneur. Alors, du coup, t'as ce côté crossover tu vois de comics c'est que tu réutilises un personnage pour une case tu vois quasiment c'est la même idée et ça c'est super appréciable mais en même temps en termes de rythme et de c'est un peu euh, je sais pas c'est un peu sur rail quoi effectivement euh, je vois ce que veut dire alex par rapport à tout ça ça fait quand même 6 McGuffin euh, dans un seul film c'est c'est lourd à la fin quoi après, c'est le délire des, des gemmes de l'Infini aussi en, en tant que C'est ouais. un problème narratif, du coup, <laughs> effectivement, mais dès, dès le départ. C'est ce bon. que effectivement j'ai déjà pu me battre avec Alex là-dessus. Ce que je dis, c'est que justement, quand tu utilises un personnage pendant 6 ans, que tu, tu dis qu'il va être important, que c'est un mastodonte et tout ça, les, les gens veulent le voir. Et du coup, et cette quête des gemmes de l'Infini, on, on te l'a fait miroiter aussi. Et du coup, tu veux aussi la voir en action et tu veux voir Thanos monter ouais, de plus en plus en action. En fait, c'est ça, pour moi, on l'a déjà vu, le fait qu'il nous monte toutes les pierres. Limite, ça été plus marrant. Non, mais on n'a enfin, pas vu Thanos moi, aller, aller justement, aller matographique, il arrive avec son gant comme dit Thibaut que limite il fasse une vanne genre bah ouais je les ai tous, vous savez très bien où ils sont, ça fait dix ans que vous savez où ils sont tu vois. <laughs> tu vois. mais genre pour une vanne MCU et après tu pouvais le voir en action pour, pour un film sur d'autres intrigues tu ouais, vois. Ouais mais le truc c'est qu'une fois qu'il a le gant de toute façon il n'y a plus de film en fait. Enfin. Ouais ben du coup techniquement pu, à il à limite, une deuxième euh, fois des doigts et on aurait ça pu règle, commencer par, par la fin quoi. du film et avoir un, un truc un peu nouveau tu vois. Mais non mais moi ça m'a frustré de en fait de, de revoir toute la construction du MCU que je suis déjà depuis le début en fait avec passion, donc euh, c'est un peu dommage de revoir ces passages et qu'à la fin bah oui il a le gant complet, c'est ce que je pensais qu'il allait se passer quoi. Au final tu vois le la, la seule acquisition de pierre qu qui aurait eu vraiment le mérite d'être montrée et qui à mon sens c'était la meilleure, c'était celle de l'âme oui avec Gamora et euh, et Vision, ouais aussi oui mais celle de Gamora avec euh, là où tu vois crâne rouge etc. Là, là, pour le coup, c'était le petit bonbon, euh, petit bonbon fan service, mais qui a fait bien plaisir, euh, je crois, à tout le monde. Euh, la, la, la mise en scène de Crâne Rouge, aussi s'y attendez oui, pas. Parce que du coup, euh, maintenant que le, est lancé, dans la, est lancé, le pavé est lancé dans la mare. Mais oui, Hugo Weaving qui est de retour. Et tu vois, c'est même pas Hugo Weaving du non, coup. C'est pas Hugo Weaving. Sa voix, que... tu la reconnais, c'est pas la même. Il ah ouais, moi, je il crois que t'avoue limité. limité avec parait. une espèce d'accent allemand assez assez chelou, mais c'est pas lui. Ah, ça, j'ai pas fait attention aux détails. Ouais, j'ai même pas. Même mais parce qu'il me semblait qu'après ah, euh, mais un, bon il avait dit que. Oui, Il avait mais dégagé bon, du MCU. Voilà, pouvez faire un petit truc un petit billet et puis c'est bon bref <laughs> du coup non mais quand même quand même très content ça ne change rien au fait que Red Skull re revient et tu vois et moi c'est ça que je voulais voir limite tu vois c'est c'est le MCU montrer justement Kevin Feige il maîtrisait son truc aller chercher des détails pour te les refaire venir même si bah Red Skull c'est vrai qu'on en c'est une théorie c'est une fan théorie depuis le début et c'est vrai que ça fait c'est pour faire plaisir aux fans mais tu vois c'est c'est un peu ça, tu vois, jouer, jouer avec... Là, tu vois, moi, c'est un moment de célébration des 10 ans du MCU. Je trouve quand t'as Red Skull qui arrive et t'es là, ah ouais, ok, cool, putain, je m'y attendais pas. Peut-être que oui, je m'y attendais, mais pas à ce moment-là, pas comme ça et tout. Alors que le fait de récupérer tous les gants, c'est juste, ah ouais, je repasse. C'est comme un jeu vidéo quand tu fais deux fois le même niveau, tu commences le niveau et après tu le fais dans l'autre sens. quoi. bah ouais, en fait, j'ai déjà fait la première fois. Tu vois, c'était un peu ça, ma frustration. Et là où je trouve que ce moment Red Skull, pour moi, c'est ce moment de célébration de 10 ans du MCU, même si c'est un peu... C'est un peu court, ça, ça m'a fait bien plaisir quoi. tu t'avais ça aussi avec euh, le, le le monde où il va chercher euh, son arme, la, la forge. C'est, il avait déjà été mentionné plusieurs fois dans la mythologie Thor au cours des films quand il faisait le, je crois c'est dans, dans The Dark World, c'est quand il fait l'inventaire de tous les mondes qui existent, euh, Outre Midgard, machin, Asgard. T'as as ce monde-là aussi qui est mentionné, mais c'est pareil, c'est fugace, quoi. Et là, tu reviens en mode, ah oui, c'est vrai, il y avait ce monde euh, avec des nains, géants euh, qui forgent des armes. Du coup, c'est même, de, ça participe aussi à ce que je disais avant, à l étendre l'univers aussi pour avoir quelques possibles nouveaux terrains de jeu aussi par après. Mais ouais, du coup, mais par contre, ça me permet un peu d en, d en, un peu juste sur l'aspect plus graphique, du coup, la recherche visuelle. Je ne sais pas comment du coup, tu l'as trouvé, mais par exemple, ce monde-là, je sais pas trouvé. Parce que le truc, c'est que maintenant, on a été habitué aussi bah, à une gris. certaine forme de cosmique euh, ouais. à la Marvel Studios, et que passer la surprise en 2014 du, du Guardian est très coloré. Ça reste toujours très coloré, mais il n'y a plus non plus d'effet de surprise. Moi, et je trouve que pour le coup, le monde dont disait Alex, il y, y a Red Skull, là, et ben, en termes de visuel, il est magnifique ce monde. Et là, il y a des idées, tu vois. C'est une espèce de plaine polaire avec euh, des montagnes enneigées et tout. Alors, ça pourrait pa paraître banal, mais avec la lumière, la façon dont c'est filmé et tout, franchement, ça a de la gueule. Et, euh, et quand ils reviennent, par exemple, sur Nowhere, dans, dans Guardian 1, Nowhere, euh, quand tu le découvres, tu trouvais ça cool. Là, euh, t'en as rien à foutre, quoi. Enfin, je sais pas vous, mais euh, moi, euh, je les voir revoir sur Nowhere, t'as un gros plan avec marqué Nowhere et t'as le crâne géant euh, en vue aérienne, t'es là, genre, ouais, je m'en fous, quoi. Enfin, donne-moi d'autres trucs, quoi. Alors que pourtant ça fait partie de cette célébration aussi, de remettre justement tous ces éléments que tu as déjà pu voir et que tu, que tu refouilles. Mais non. ça marche sur certains trucs, le Wakanda. C'est pas assez euh, fan service. Avec <laughs> le thème qui arrive, franchement, tu es refait, c'est cap qui arrive, tu retrouves les, les décors, plus ou moins les décors que tu as vus il y a deux mois au ciné. Euh, le quartier des Avengers aussi. De... Ouais, oui, bon celui-là, euh, on bon. l'a vu un paquet de fois, donc ça, ça me faisait pas le même effet. Moi j'aimais bien, visuellement, je le trouve assez réussi. Alors après, il euh, y a toujours des gros problèmes. Alors on en a discuté. En amont de ce podcast sur ce fameux format IMAX qui aurait utilisé à 90, 100 ou a priori, le film était prévu pour être 100% tourné en IMAX. Je trouve qu'il y a des vrais problèmes de cadrage par rapport à Thanos. Par... Le, 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 la, les premiers plans du film sur l'espèce de cadavres et tout, c'est très bizarre. En fait, je trouve que c'est pareil. Même dans le format, tu vois, il n'y a pas un côté élégant ou euh, disant, quoi. Tu vois, ça fait un peu euh, gros. Encore une fois, ça, au final, quand tu n'es pas sur un écran IMAX, filmé en IMAX, bah, ça revient à faire un format télé, quoi, quasiment. Enfin, j'exagère je, un petit peu, mais ça donne un côté euh, vraiment... Euh carré à l'image que moi j'aime pas du tout et qui je trouve rend pas honneur à la stature de d'un Thanos par exemple. Mais en dehors de ça, le monde où il y a la pierre de l'âme, je l'ai trouvé vraiment réussi le et puis tout ce qu'on tout ce qu'on a l'habitude de voir chez Marvel Studios. Et là, on n'est jamais vraiment non plus euh, sur le cul euh, côté euh, réalisation. Ou... Le, le monde de Gamora est super joli aussi. Le Black euh... Order aussi, moi, j'ai trouvé que... stylé. Voulais... Les, euh, les, les vaisseaux et les armées euh, infinies, euh, c'est totalement générique comme d'habitude. Ouais. Mais euh, les, les quatre membres du Black Order, euh... quatre, là, ils sont ouais. quatre, normalement ils sont cinq, mais là ils sont ouais. quatre. Il manque Black Dwarf, je crois. C'est ça. Il y a Corvus Glaive, Super Giant, Proxima Midnight et Bonnie Bow. Ouais. Bah c'est pas Black Dwarf le mec avec le marteau Non. non Black Dwarf c'est un autre. C'est Super Giant je crois. Et puis c'est vrai que quand tu. Ah, je croyais pas, que euh, c'était. Euh... Tu croyais que c'était le contraire Ouais. ouais je me, je, tu, tu me fous un doute, du coup. Mais ouais, je croyais qu'il y avait euh, un gag ironique sur le nom du Non, passé. mais euh, c'est vrai que, tu sais, maintenant je repense, quand tu les vois au tout début, euh, quand ils sont tous en cercle, enfin, en, en rond autour de Thanos, là, ils sont effectivement quatre, et t'as Thanos au milieu, quoi. Mais du coup, euh, c'était les, les Children of Thanos, qui, qui s'appellent en fait les Black Order dans les comics, mais qui avaient été introduits avec Infinity, du coup, qui n'existait pas avant, même ouais. Et euh, par contre, ils ont repris les designs de... C'était Jérôme Opeñas ou. Euh... Non, c'était... C'était qui, euh, Alfro Tu me dis je... Dustin, Weaver. Dustin Weaver, les designs Ok. Parce que c'est exactement les mêmes, quoi. Pour le coup, uh, Corvus ouais, Glaive, euh, il est aussi classe que dans les comics. Et la tout. Proxima, pareil. Ils ont euh... un petit peu changé, par contre, euh, qui, qui est qui Parce qu'il me semblait que c'était Corvus qui menait un petit peu les mecs euh, et qui de demandait le tribut, justement, des âmes de Thanos dans Infinity. Mais euh, du coup, euh, je suis déçu parce que moi, je trouve que le design est ultime. Cette espèce de dork avec les petites ailettes, là, et la, et la lance, je le trouve vraiment cool. Mais Corvus Glaive et Proxima Midnight sont mariés, je crois. Du coup là c'est les deux généraux chacun de leur côté. Voilà c'est ça. Mais même les Outriders, donc les espèces de gros aliens qui ressemblent plus à Venom que Venom. Et du coup ils étaient pas mal, visuellement c'était juste un taunt. Mais effectivement je trouvais que là-dessus il y avait quand même une petite DA quand même qui était sympa. Même je trouve la hache de Thor avec le bout de Groot je trouve ça super cool et tout. un breaker voilà. Et du coup... Ouais, y a, franchement là-dessus, pas mal quoi. Mais au final, c'est pas là-dedans que Marvel Studios brille le plus. Et encore une fois, ça, ça se voit. C'est-à-dire qu'il y a souvent des moments où... Euh... Moi, je me souviens qu'à l'époque du deuxième trailer, les gens disaient, oh, putain, c'est cadré bizarrement quand même, euh, le gant euh, sur euh, Captain America. Après maintenant que tu sais que c'est au ralenti, etc., dans une espèce de champ contre champ qui marche hyper bien. Euh... Mais c'est vrai que tout le long du film, il y a des fois des moments où c'est vraiment un peu cadré, un peu étrange. Euh... Tu vois, mais c'est à ce côté encore une fois, je sais pas si, 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 jusqu'où ça peut être une excuse, mais il y a aussi un côté planche de comics, quoi. Genre Doctor Strange qui l'évite au fond d'une case, tu vois, tu l'as comme ça, version euh, cinéma, je trouve ça plutôt sympa, quoi. D'ailleurs, euh, c'est moi où il y, y a pas mal de plans, où il y a des persos que tu voyais pas dans le trailer, qui étaient effacés et qui sont. Ouais, là. à fond, bah, bah Spider-Man euh, et l'Iron Spider en général. Autre design qui fonctionne. De le, le, le secret de, enfin, le secret, pardon, euh, ouais, de, de l'air. Nous, on le voyait sur quand il, il grimpe, euh, quand tu le vois debout, en fait, sur le vaisseau, euh, dans la première séquence, où on pensait qu'il y avait l'espace derrière, en fait, effectivement, pour le rajouter. Mais c'est euh, quand, il, quand, il, quand il sauve tout le monde, en fait, sur Titan, euh, après que la Lune a été envoyée. Effectivement, là, bah, il y a des personnages en plus, puisqu'il est en train de les sauver, et il y avait ces quatre, euh, ces quatre pattes supplémentaires qui ont disparu. Mais d'ailleurs, il y a plein de plans, en fait, qui sont dans, dans les trailers, qui sont des plans pour les trailers, par exemple, en fait, le, le, le tout premier trailer, quand ils courent tous dans la forêt, avec Cap, euh, il y est pas il dans y est le... pas. En ouais. fait, il est pas du tout là. Ce, et as, as ben, aussi euh, dans les trailers, tu sais, t'avais le plan où as Wong, euh, euh, Strange, euh, Iron Man et, et Banner qui, qui regardent le, les vaisseaux arriver dans le ciel, et dans le dans le trailer, t'avais euh, Stark, il était genre en, en, en jogging, alors que là, il, en fait, il enlève ses lunettes et il, il se met en armure directe, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est pareil, c'est rajouté en, en post prod, quoi. D'ailleurs, euh, l'armure de Stark. Euh, franchement mais on peut en parler avec un un aussi effet visuel du coup là, là dedans fait tout, mais en soi je trouve les designs pas pas dégueu quoi enfin bah c'est même... bizarre parce que j'étais totalement contre cette armure mais je trouve qu'elle fonctionne au sein du film jusqu'à ce qu'en fait elle permette à Tony de ne pas mourir à un moment où en fait tout le build-up comme dans Civil War quand il dit ouais oh, je me sens pas bien t'as l'impression qu'il va faire une crise cardiaque ou un truc et que ça va arriver au moment où il va se taper euh, Captain... au moment où il va taper Captain America qu'il y a quand même tout un truc depuis 10 ans en l'occurrence sur son cœur et que du coup encore se rappelle avec la redcone d'Iron où il lui dit non mais tu l'as remis mais t'en as pas besoin tu vois tu fais juste le kéké et euh, du coup tu te dis bon bah ok il va très clairement se prendre un coup de poing dans le coeur ou euh, il va se faire arracher le coeur tu vois euh, l'année prochaine le, le... bah du coup je, bah, je trouve ça dommage parce que je trouvais enfin en fait je pense que là pour le coup moi, je pense que ça aurait mieux marché maintenant parce qu'on reparlera, on fera un point sur la fin, j'imagine, euh, plus tard. Mais je trouve que là, pour le coup, j'aurais été satisfait parce que je trouve que ce qui manque, et c'est ce que j'attendais le plus du film, c'était de développer les arcs de Steve et de Tony, tu vois. Parce que c'est quand, quand même les deux moteurs, euh, tu vois, les, 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 quatre, les, les deux paires de roues motrices du MCU, CE2. Et sur Civil War, je trouve que ça avait vachement bien culminé. Je me suis dit, dans Infinity War, quand ils vont devoir se rappeler et tout, et au début, je trouvais ça super bien qu'il ait le vieux téléphone, qu'ils doivent le rappeler, mais que. Putain, même face à l'apocalypse, Tony Stark c'est encore un gros con, il veut pas l'appeler, tu vois. Et je me suis dit, ah, il y a et un... Truc... Il est sur le point de l'appeler et ils arrivent. Et ouais, et ouais, ouais, mais en même temps, euh, tu vois, mais il, dit, y a un petit il truc pourrait subtil. sortir dans la rue. Et d'ailleurs, j'adore cette scène. Je, la scène où ils descendent dans la rue et la façon dont c'est filmé et tout, ça, ça, je trouvais qu'il était vraiment gros. Il y a un petit truc subtil sur Tony Stark qui est un rappel à Civil War en fait, et du coup à son évolution, au fait que tu vois qu'il regrette ce qui s'est passé. C'est euh, quand euh, ils sont en train de maîtriser Thanos et que ta Star Lord qui arrive et qu'apprend que Gamora est morte quoi et là où il lui et dit lui de ne pas, pas de réagir euh, vrai, tu vois de pas faire le oui, con parce que ça... et c'est totalement lui qui faisait le con face à quand il a appris que le Winter Soldier avait tué ses parents dans Civil War qui fait qu'ils se sont battus à la fin. quoi. C'est filmé de la même manière d'ailleurs. C'est trou... enfin, là aussi où je trouve qu'ils ça... répètent un peu aussi des trucs. Quand on avait vu Civil War, on était là. Oh, putain, globalement, c'est un peu la même scène que dans BVS. Et là, c'est un peu la même scène que dans Civil War, qui était un peu la même scène que dans BVS, avec un mec qui s'énerve alors qu'il devrait pas. Vous êtes euh, des super-héros, gardez votre sang-froid, les gars. Mais. Euh... Star-Lord, c'est pas vraiment un super-héros, mais euh, du coup pour embrayer justement euh, moi sur un truc qui m'a plu euh, et rebondir un peu sur Iron Man et, et Robert Downey Jr., enfin la perf et tout, c'est que j'avais vraiment peur, on en a beaucoup discuté avec les gars en off euh, ces derniers temps sur le fait que bah au final Star Lord euh, Doctor Strange et Iron Man, dans leurs films respectifs, ils jouent à peu près sur le même genre de ton, à le même genre de vanne, ils, ils ont à peu près le même genre de référence, ils sont vraiment arrogants, alors qu'ils qu sont ridicules la plupart du temps quand même. quoi. Peut-être moins Doctor Strange parce qu'il gagne en classe une fois qu'il a la cape. D'ailleurs, c'est le meilleur personnage du film, il fait trop de trucs cette cape. Et euh, du coup, euh, c'est là où je trouve encore une fois une crédit au scénaristes et au Rousseau, c'est que les trois ils arrivent à être dans la même équipe et ben c'est jamais chiant alors que dans les trailers j'étais là putain je vais pas supporter les entendre parler en fait ça va être super chiant et en fait non ils ont créé des, des petites subtilités dans le jeu de chacun qui fait que, qui font que pardon euh, euh, et ben ça passe super bien et même euh, alors Peter Parker s'en retrouve un petit peu effacé mais euh, mais même là-dessus il y a des rappels à Spider-Man Homecoming tu vois la façon dont ils se parlent et tout je... c'est un combat d'ego donc c'est pour ça je pense que ça marche bien justement tu vois c'est que des, des personnages ouais, égotiques du, coup, trait, et, du coup dans un côté euh, je suis Tony Stark mais quelque part j'ai dépassé le stade de Attachement, tu vois, genre pour moi, c'est la pierre jusqu'à un certain point, mais du coup, je trouvais ça super intéressant parce que Benny Coverbatch, quand il dit je te laisserai crever, je me protégerai la pierre, moi je le crois. Alors qu'Iron Man, on dit alors que Robert Downey Jr., je dis tu fais le mariole, je mais pense qu'il faut le croire hein. pour moi. Tony... enfin Le fait qu'il donne la pierre, c'est parce qu'il a vu une. Solution, enfin, il est super serein, Doctor Strange à la fin. Non, tu mais je suis a une toi, possibilité croc, où ça marche. Il donne la pierre, il fait, on arrive dans la phase finale, mm -hmm. tu vois. Donc, pour moi, il est, il est il reste comme il est, quoi. Et j'aime bien ouais, cette scène où ils sont dans la rue, où justement, tu vois, c'est un peu combat show off et il lui montre les qu'il est magicien. Mais je suis content ouais, parce que Doctor Strange a fait ouais, c'est son troisième film, euh, dont deux qui y sont passés films. Et euh, bah, j'adorais comment Wade avait utilisé juste le montage pour prouver qu'il était super puissant. Là, c'est l'inverse, c'est la déchirure. L'avalanche la, 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 d'effets spéciaux, quoi, et pourtant ça marche hyper bien aussi. Quoi, j'ai trouvé que la scène où il enrôlait, il enrôlait Thanos avec ses 12 000 assauts, il était magnifique. Ouais, le... Ouais. Bah, le, Naruto, le passage Naruto, quoi, et quand il fait euh, téléporter Spider-Man tout autour avec les euh, ouais, Magic, c est, c est, Magic Cake, c est, c est, c est, c est <laughs> non, mais en vrai, c'est lui qui bénéficie des, des, des idées, des en des tout cas des idées visuelles. Et plus bah, bah après, tu as l'utilisation du gant de l'infini euh, qui est mortel. Mais aussi, ouais, non, mais l'affrontement par contre, de, où là, où ils reprennent des, des, ouais, des gros délires kalidoscopiques, les papillons et tout ça, j'avoue que. Là, les, les, plan les planches comics, tu les sens, enfin, tu les vois, quoi, limite, le combat ouais. entre Thanos et Strange, quand ils sont juste face à face l'un l'autre et qu'ils se jettent juste, regarde mon pouvoir, dans le mien, il est mieux, dans le mien, il est mieux, quoi, c'est vraiment, euh, tu as des doubles pages, quoi, enfin. Ouais. Et c'est. Euh, c'est du porn, d'effets spéciaux, quoi. Et là aussi, il y a un achievement, c'est que je trouve que dans un film qui reste globalement euh, cohérent, ils arrivent à mettre l'ambiance de plusieurs films c'est-à-dire que dès qu'on voit les gardiens il y a une petite musique qui démarre Alors, au début je me suis dit ouais c'est un peu forcé non c'est que la première fois finalement. Hein. c'est que vraiment le premier plan avec le vaisseau ils remettent ce dire oui, avec quand la, 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 la musique à dès on la on voit Game, dans ils, le film le quoi, plus, quoi. Quoi. dès qu'on les découvre si tu préfères euh, mais pas à chaque fois effectivement mais en, en, encore on danse Thanos euh, non mais et tu vois Oui, Doctor Strange il y a son thème qui revient Black Panther il y a son thème qui revient et tout et j'ai l'impression même dans les thématiques par rapport à Spider-Man Coming et tout ils ont quand même été euh, bah, c'était la moindre des choses mais je trouve que, que au final ça pourrait aussi donner un Bloobibulga dégueulasse tu vois, genre ouais, ils ont mis une chanson à ce moment-là parce que c'est les gardiens de la galaxie. Et je sais pas, au final tu vois, je crois que tu sors d'une scène un peu dure, d'un coup t'as un, un petit rock qui te détend et c'est les gardiens et tes bonnes enfants à, à l'intérieur du vaisseau. Le Wakanda direct avec les thèmes super forts qui, ont, qui, qui sont ceux de la bande son. D'ailleurs Alan Silvestri a fait pas un trop, trop mauvais travail je trouve, enfin, c'est Alex Lecoq qui nous dira, mais euh, qui tranchera en tant que maître de la BO. Et Raf, tu veux dire un truc Ouais bah justement euh, sur les, les passages musicaux je trouve que ce qui, ce qui a vachement bien marché pour moi en tout cas c'est euh, l'intro de Captain avec le thème Avengers original remixé qui franchement passait très très bien sur ce moment là et, et pour un film Avengers c'est le seul moment où tu l'as mais il marche quoi enfin ce thème il marche vraiment bien après moi j'ai pas fait plus attention que ça vraiment aux musiques du MCU parce que je les, je les ai jamais vraiment trouvées très marquantes sauf comme tu dis il y a le, le thème de Black Panther qui, qui est réutilisé juste une fois et que pour le coup euh, j'identifie plus parce que je trouve vraiment un super punchy mais Black Panther qui est vachement effacé dans, de ce film aussi d'ailleurs d'ailleurs beaucoup disaient oui vu que le climax se passe au Wakanda il y a beaucoup de gens qui faisaient un procès d'intention disons que c'était un Black Panther 1.5 je sais pas quoi alors que non euh, il est blasé que, que, Chala euh, que, il est blasé à mais la fin bah, il a 4 il... quatre répliques de toute façon donc euh, et même sa disparition et, euh... Enfin et à peine marquante à intervient dans une vague de... Il a quand même réussi à ressortir un Wakanda Forever alors qu'on a toujours pas un Avengers Assemble. Moi je l'ai un peu mauvais mais du coup euh, pour le coup il manque un truc c'est que c'était clairement la bataille des champs de nord du MCU tu vois et il manque un, il manque un motivational speech quelque part tu vois à un moment tu vois parce que t'as quand même les milliers d'aliens qui sortent des trucs et tu te dis il va dire un truc et il dit juste Wakanda forever les mecs ils chargent ça, genre OK euh, Wakanda euh, on parle pas trop hein euh, on va, va se mêler direct avec les autres riders ils ont huit bras ça a l'air marrant surtout qu'en plus c'est genre à côté de lui t'as Steve Rogers c'est Captain America c'est le mec dans les comics il lâche des tirades ah ouais, mais... sur Vénère et là il est juste genre on va, se, on va se taper cette parce qu'au final, le seul truc tu as c'est Thor et il le dit vachement en mode Thor, genre ouais, je sais que tout espoir est perdu, mais on va le buter, t'inquiète, tu vois, genre en mode bourrin quoi. Et, euh, et, mais ça marche très bien dans, dans le sens là, mais c'est là où peut-être euh, moi j'ai trouvé qu'il y a des moments qui, où je frissonnais, tu vois, mais c'est plus dans la façon dont les personnages apparaissaient et c'était, tu vois, ce côté Deus Ex de euh, Thor qui arrive sur l'épaule, euh, Rocket Raccoon qui arrive sur l'épaule de Thor euh, au milieu d'un du, enfin, truc de Bifroche, tu vois, genre bon bah ok, je suis obligé de kiffer, désolé, quoi. Euh, haters gonna hate, mais moi je, je, je kiffe, mais il manquait euh, par contre, tu vois, l'épique par les mots, tu vois, parce que même Captain America, tu disais que Black Panther a effacé Cap au final, tu te dis, bah le mec il revient de deux ans, c'est un secret Avenger, il a sa propre team, au final ils ont même pas un dialogue ensemble, tu vois, c'est assez, enfin euh, c'est vraiment, vraiment très fonctionnel. La seule épique que j'ai retenue, c'est il dit, bah non, enfin on, on, négo on négocie pas une vie pour une autre, tu vois, c'est comme ça, tu vois. Et là je me suis dit, ok, c'est Captain America, il a pas changé, lui, son compas moral, il a pas bougé, tu vois, mais. Euh... On t'entend pas si tu ne prends pas. Aussi, donc. quand il dit euh, au général, là, euh, si vous vous mettez euh, dans notre travers, on. Ouais, oui, mais travers, ça, c'est attendu. Je pense aussi qu'il est vraiment. Ouais, que c'est ses idéaux qui. Et que même si c'est euh, genre. Euh... C'est en ça où je suis déçu sur le parcours de Tony et de Steve, où au final, bah, déjà, ils se recroisent pas. Et c'est pas fini, je suis bien d'accord, Manu, mais le problème, c'est que dans ce film, ça de... il devait avoir une logique, en fait. Tu vois, même, même me dire c'est pas fini, le film. le Parce ouais, que, dit que pas te... moi, quand je te dis c'est pas fini, c'est pas pour justifier, c'est pour te donner la déception du truc. Ouais, ouais. C'est juste pas fini, quoi. mais Il manque. Il manque la moitié des arcs. Et c'est un petit peu dommage. Après, je pense que tu ne pouvais pas tous les faire tenir. Mais euh, de temps à autre, euh, ça donne un peu l'impression qu'ils forcent sur tous les personnages possibles et imaginables. Pour au final euh, avoir, euh, tu vois, euh, bah, je ne sais pas, deux lignes de dialogue avec les deux vengeurs les plus importants qui n'ont pas forcément grand chose à faire. En tout cas, Captain America est vachement en retrait par rapport à Iron Man. Ça me permettrait d'avoir eu un petit kiff sur ce très rapide team-up Winter Soldier Rocket Raccoon. Ah ouais! <laughs> Parce que. Winter Soldier ne sert clairement à rien si ce se tirer sur des trucs, et du coup il le fait très bien. Et il, il prend, le fait il prend bien. quand même roquettes oh, dans ça. une main, quoi. C'est très cool. Il se sert de roquettes ouais, comme ça. Ouais, c'est ça que j'ai kiffé, moi. Mais... Ça ne sert à rien, c'était juste pour que le Winter Soldier ait d'action. Moi j'ai kiffé. Mais euh, par exemple, bah, ce que disait Thibaut tout à l'heure, euh, par exemple, je trouve le, le personnage qui symbolise vachement bien ça, c'est Wong. Wong il a, il arrive au début, il fait son, son taf, il est strange, et après, euh, ta bannière lui fait Tu vas où bah, Je vais protéger le sanctuaire parce qu'il n'y a personne. Allez, salut <laughs> Ok, merci d'être passé, Wong. C'était super cool. Ouais, c'est le cas pour plusieurs personnages comme ça qui apparaissent euh, parce qu'il fallait, fa fallait, fallait les faire apparaître. Pour... Bah après, il y a un côté, enfin, euh, tu vois, c'est un mal pour un bien parce que y a... ça, c'est pour le coup le côté 10 ans du MCU, c'est-à-dire que même le cast secondaire est convoqué au Wakanda, dans le Sanctum Sanctorum euh, et ailleurs, tu vois. Moi, je trouve ça plutôt pas mal au final. Là où j'ai trouvé que c'était moins bien au final, c'était dans la scène post générique où revoir Nick Fury et Maria Hill, j'en avais rien à foutre, je voulais juste voir Captain Marvel et ils m'ont pas donné, non, tu on vois. On voulait voir Ant-Man et, et ferme vous... la ferme là. Moi, j'aimerais franchement un petit okay, okay. un petit OK, avec sa coupe à la fin ça aurait été... OK, il va être chaud, il va arriver dans, dans le cas, tu vas faire euh, ma femme et mes enfants ont disparu, je vais tous vous niquer. J'étais à l'air très tranquille. Je me suis entraîné à la ferme sur des je me suis sur des, des sur les côtés, ça va pas le faire. <laughs> mais jusqu'au dernier moment du film je me suis dit ils vont refaire un peu comme Age of Ultron refaisait des moments comme l'héliporteur du premier je me suis dit à tous les coups il y a un moment il y a Okai qui va débarquer et chaque euh, Deus Ex où, parce que ça c'est quand même assez répétitif aussi c'est que souvent il y a une scène un Avenger va crever et un autre Avenger débarque tu vois. et tu fais bon alors du coup, vous étiez des désuni... enfin voilà, vous étiez plus ensemble pendant deux ans et d'un coup, vous vous retrouvez tous un peu magiquement. Il y a un moment où c'est très très chaud. Et c'est pareil d'ailleurs pour Nebula, Star-Lord et putain, c'est là que j'ai trouvé. Ah oui, euh, sur, sur Tyson, par contre, leur arrivée sur la planète, tu fais. What? Pour... Euh, en fait, est-ce qu'elle a été là depuis le début et est-ce qu'ils sont vus avant parce qu'ils se coordonnent hein, un truc en mode ils posent même pas de questions sur qui elle est, c'est genre, oh, ok, c'est bon, elle est avec nous. Et alors qu'elle a l'air complètement intégrée dans le plan, quoi. Ouais, elle appelle Mantis, ok. Mais non mais c'est plus, plus en termes de temporalité tu sais pas quand les, le, le, le petit groupe avec euh, Starlord en fait se retrouve aussi sur Titan et attaque du coup le groupe de, de Tony Stark. J'ai pas grand- bien un moment où ouais, tu, ouais, vois, ouais. Les, tu vois, tu vois ben pas le timeline. <laughs> time non mais il y a peut-être des, ouais, des, des trucs qui ont été coupés juste. Est-ce ouais, qu'on revient en sur en les enfin les, 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 les différents persos du coup parce que oui, oui. Ouais. Par qui veux-tu commencer Bah ton, euh, ton petit je... crush. Euh, c'est <laughs> Bon, on les a fait un petit peu mes mais, mais, mais crushs hein. moi c'était Captain America que et Tony Stark que j'avais vraiment envie de voir et j'ai pas trouvé ça ouf après comme je disais Doctor Strange j'aime beaucoup et je trouve qu'il est super bien mis en valeur il fonctionne vachement bien dans, dans ce rôle là et après, euh, qui c'est qui reste On a tous les gardiens, euh, mais euh, Scarlet Twitch, ouais. elle a beaucoup de trucs à jouer. Quoi. Je trouve qu'il y a quelque chose de. Enfin, elle surtout, comment vous la réplique d'Occoy est trop marrante à ce niveau-là. Enfin, c'est presque commentaire météo aussi, mais pourquoi elle était euh, en train d'attendre avec Vision depuis tout ce temps, alors que c'est quand même un des personnages les plus. puissants D'ailleurs, de, de ses pouvoirs sont vachement développés, ce qu'il me semble qu'elle volait pas la dernière fois qu'on l'a vu. Si elle vole dans les Ah dans, dans Civil War, ouais. ouais. Ok. Il semblait qu'elle faisait juste des petits bons, mais. Ouais, puis c'est deux ans après. Hein. Enfin, ouais, ouais, non, mais elle est super puissante. Les, du coup. Je le répète, c'est deux ans après, ils le disent. Hein. Ouais. D'ailleurs, j'ai adoré le fait qu'ils disent que c'est six ans après Avengers. Ouais. Parce que c'est glisser la petite carte à Spider-Man où ils disaient que c'était huit ans après. Tu ouais. vois, et là, c'est clairement euh, deux ans après. Euh... Sauf s'il y a une histoire de manipulation du temps dans le 4. Ouais, non. Euh, Il <laughs> y, y aurait une histoire de manipulation du temps et de la réalité. <laughs> Moi, j'en ai rien à foutre de la continuité, euh... Non je m'en fous. <laughs> Mais euh, ouais, Scarlet Witch euh, ils, ont, bah, ils ont développé le perso au détriment d'autres euh, par rapport aux autres films. quoi. On a clairement pas de Falcon, clairement, on a un Putain. peu de War Machine. Falcon il est inexistant dans le film. Hein. Falcon à il part tire, dire, sur, tire sur des trucs. À part dire à un moment euh, c'est gênant quoi. Euh, bah du coup c'est gênant quoi il est <rire> 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 que c'est celui ou où... Winter Soldier ils existent pas trop alors Scarlet Witch non plus hein. enfin... Scarlet euh, Twitch, elle pas, existe pas, carrément euh, plus Twitch, Black Widow Black Widow, Black Widow, euh... Widow elle, elle existe un petit peu elle se bat au début elle, se bat. elle est... White Wolf euh, oui oui arrête de parler sans le micro et... oui oui si euh, Scarlet Witch a un... un vrai arc cette fois au moins Black Widow un peu mais euh... Bah, ils, ils ont un peu coupé son arc avec Bruce Banner encore. Elle était là. <laughs> Alors, regarde, on reparle parle de nos sentiments. Non, tu, tu te reverras plus. Euh, ouais, après, ils ont, ils ont clairement fait le petit côté euh, team-up de meuf à un moment euh, hyper bien quoi, contre Proxima Midnight que déjà, big up à Carrie au passage. C'est ce qu'on appelle un benchmark dans le marketing. C'est genre, tiens, on va mettre 4 héroïnes et on va voir si dans la salle ça réagit. tout le monde est genre en mode, waouh, trop bien. Enfin, moi j'étais saucé. En plus, je pense que c'est une réplique au fait que dans le premier, Black Widow était la seule fille. Et là, du coup, au moment où Proxima Midnight dit, tu vas mourir toute seule, du coup, il y a Ascar Switch. Du coup, il y a Black Widow qui avait, non, elle n'est pas toute seule. Là, c'est combat de meuf banana et. Et elle ça, finit ça tellement finit. salement, d'ailleurs, Proxima <rire> <rire> Elle prend très cher. Elle prend très cher. Mais tous les, tous euh, les mecs tous du, du, du Black, Black Order, ouais. ils se font tous défoncer de manière sale. Hein. Avec Ruffalo aussi, qui quand on en voit un se faire défoncer contre... Ouais, j'ai toujours le pas, le pas compris comment il a quoi. fait, d'ailleurs. Il, il lui, lui met le gant et... Il le gant de Hulk et il l'allume et du coup, ça le propulse en haut et, et il s'explose contre... lui. Mais du le coup, le coup il, lui a mis, il lui a passé le gant, genre c'est... Ouais, c'est un peu... Ouais, ouais, c'est un, un peu cartonné, quoi, mais, mais ok. Ouais. Ouais, c'est déjà doux qui conduit du du comme coup. ça une armure aussi, enfin qui pilote comme ça une armure. Mais... Ouais. Certes, c'est pas grave. Mais bon. Oui, du coup. Mais, mais Banner, on nous rappelle que finalement, par rapport à Chouri, il est très très con. <laughs> parce que quand Shuri elle lui fait sa petite réplique qu'il a. Ah parce qu'on n'y a pas pensé en fait. <laughs> Ouais, ça c'est pour mettre en avant Shuri, mais ça c'est. Ça c'est le grand délire plutôt, Marvel plutôt des, marrant, des personnages les plus intelligents du monde, quoi. C'est genre, oui. elle est là depuis un film, mais elle est plus intelligente que. Cherche pas. Ok, d'accord. Mais et sinon, voilà. pour euh, oui, pour euh, continuer sur Scarlet Witch, elle, elle a un peu, par contre, le syndrome de Vision euh, dans le film aussi, et euh, le syndrome de Doctor Strange. Il est mieux sur la planète et Wong dans le Sanctum Sanctum. C'est que c'est des personnages beaucoup trop puissants. Et du coup, s'ils les utilisent pleine balle, et bah ouais, ça, le, le film, il, il coupe en deux, quoi. Et à un moment, euh, l'armée face à il y eu et Twitch et Doctor Strange en face, euh, leur armée Raiders, elles faisait que dalle, quoi. Mais surtout qu'au final, Doctor Strange n'utilise jamais le pouvoir le plus fort qu'il a à sa disposition, c'est-à-dire envoyer les mecs sur le pôle Nord. Parce que tu sais, euh... genre t'arrives, t'ouvres un truc, t'as tous fois. les Raiders qui passent dans l'eau et puis <laughs> c'est pas grave. Je <laughs> sais pas. Même l'œil d'Agamoto, il l'a, il l'utilise pour voir le futur, un moment, mais en termes de fight. Par rapport à la fin de Doctor Strange, il ne l'utilise pas du tout. Ouais, quoi. Mais à la fin de Doctor Strange, ça marche pas très bien. Ouais. Du coup, il dit, il dit que c'est dangereux à utiliser. Quoi. Donc, je pense qu'il a pas envie de créer des paradoxes toutes les 10 secondes non plus. Quoi putain, dans ce film tu as déjà beaucoup de, justement d'effets pop où ça se téléporte dans tous les sens, ça avait fait plein de trucs complètement abusifs et, et sans trop de grandes justifications, mais après tu as, as une démarche de crédibilité quand tu vas voir ce genre de film, il faudrait pas non plus que ça prenne trop le pas et que ça devienne euh, trop... Et là, bon là on est un peu dans le futur, un, un je m'avance un peu dans le futur, mais ils avaient souvent dit que Scarlet Witch était le perso le plus puissant du MCU et depuis ils sont un peu revenus en arrière en disant que c'était Captain Marvel et du coup je me dis putain s'il y a les deux dans le 4 euh, en face ça... ça ça va pas parler titanesque. de toute façon Scarlett Witch sera méga vénère de toute façon donc euh. Oui, je pense qu'elle va être vénère effectivement. Encore faut-il qu'elle Allez putain j'ai Non. Est dans les... Ah oui. Ah oui pardon le cadavre de Vision reste. Le cadavre de Vision, de Vision reste. Ouais. Mm. Mais du coup, du coup est-ce que c'est le moment d'aborder alors du coup ce... cette fin bah, je sais enfin, pas ce, si, ce, ce ouais, ce, ce euh, après là. sur les différents personnages, euh... bah, je on n'a pas parlé bien, de Peter bien, Parker, bien, mais on le voit pas non plus énormément, quoi. Il est un peu sous-exploité, mais en même temps, c'est un. Mais par contre, ça, vraiment... ça c'est vraiment une inquiétude par rapport à la franchise Spider-Man, c'est que littéralement, on voyait dans l'espace, t'as un côté un peu. Euh... On sait qu'il est censé un peu prendre la relève, avec la phase 4, entre guillemets, c'est Spider-Man, c'est terre à terre et tout. Euh, comment ça peut être normal en fait Tu vois, après ça, enfin, il va avoir le syndrome Ironman que le gars va être <laughs> complètement euh, sujet à des à des syndromes post-traumatiques, surtout après euh, après être mort. bah ben non, parce qu'il aura oublié. Ah peut-être pas. Il se, tout ça ne se sera jamais passé. Alors, ça, ça fait partie des astuces euh, débiles, euh, je pense, qui peuvent être utilisées facilement, quoi. Ouais, mais, mais tout le monde ne peut pas oublier s'il y a des morts à la fin et des fins de contrat. Euh... Il y a bien un moment qu'il y en a un qui va se rendre compte qu'Iron Man il est plus là, non Est-ce qu'on parle de la fin du coup Du Alors, coup, avant, oui Avant, euh, avant ouais. de faire le, le theory crafting sur la suite, parce que c'est super moi je trouve que c'est super intéressant du non, coup, en termes quoi. de, de porte tout ça, mais du coup, le, parce qu'il y, y a quand même ce qui se passe concrètement mais moi du coup je trouvais après c'est aussi toujours par par rapport au par rapport, euh, aux comics parce qu'on disait Infinity War c'est très basé sur euh, Infinity Gauntlet euh, de Starin tout ça tu regardes le bouquin tu lis le premier numéro tu fais ok ça sera jamais 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 c'est pas possible il a... c'est beaucoup trop cosmique il y a beaucoup trop d'entités euh, complètement tarés euh, oui voilà, t'as pas de Warlock t'as pas les Celestials t'as rien quoi il est teasé dans Guardians 2 mais il sera pour Guardians 3 quoi mais t'as quand même dans cette idée de euh, qui claque des doigts et que t'as la moitié de l'univers qui disparaît et c'est ça qui provoque euh, toute la saga et j'étais vraiment, enfin personnellement, je pensais vraiment pas qu'ils allaient aller au bout de ce truc, quoi. Je pensais vraiment pas qu'ils allaient faire le délire de effectivement, le, une personne sur deux va, va disparaître. Et je trouve ça ultra burné. Alors, le truc, c'est que. <laughs> voilà. Je trouvais que ça marcherait beaucoup mieux dans un univers où ils n'ont pas annoncé toute la suite de films, quoi. Voilà, mais, mais, mais c'est le problème principal. C'est le problème principal et c'est aussi le problème principal par rapport à nous en tant que spectateurs. Et parce qu'on suit à mort cette actualité et qu'on sait qu'il y a le planning, il y a plein de gens qui vont au cinéma qui ne savent pas encore. Tant qu'ils verront pas un trailer pour Captain Marvel, ils savent pas qu'il y a un film Captain Marvel machin. Et tant qu'ils verront pas un trailer pour Spider-Man Coming 2, ils savent pas que Spider-Man doit revenir. Et même s'ils doivent se douter que Black Panther. C'est annoncer pas le fait que Spider-Man et Black Panther ils vont revenir. Hmm c'est annoncer le fait qu'ils vont revenir Spider-Man et Black Panther. Je... Alors après, ça se trouve ils vont se foutre de notre gueule, Et ils vont pas les ramener. Et bien, il va y avoir Miles Morales, il va y avoir Mbaku dans le costume et tout. Mais là, ça, 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 ça serait super, ça serait sur troll. Mais ça serait aussi avoir amené plein de personnages pour les tuer le film d'après. Et je pense pas qu'ils feront ça quoi. Non, non, mais ça, 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 ça effectivement. Non, mais il y a certains enfin Black, Black Panther aussi qui rapportent un, un, un 3 milliards. Euh, C'est euh... <laughs> Mais je pense qu'il y a quand même des. des oui, pas parce qu'il n'y qu a pas filmé. que Black Angel Spider-Man, il y en a quand même pas mal d'autres qui disparaissent. Et euh, mais je pense qu'il y, ouais, y a des spectateurs qui vont voir les films tels qu'ils sortent et qui s'intéressent, qui n'ont qui pas le temps de s'intéresser à ce genre d'actualité et qui, et qui y croient. Mmh. Mais, mais le problème, c'est qu'on y a, y a, est dans un univers où la mort elle a déjà été trompée maintes fois. La mise en scène euh, de personnages qui meurent dans le film, on voit quand même Thanos euh, se faire empaler deux fois. Alors ok, il y a une fois où c'est une illusion, mais euh, il va pas nous faire trop de Luke Skywalker non plus, celui-là. Et, euh, et on voit aussi... Euh, merde euh Tony Stark se faire empaler, quoi, sec, sèchement. Ah il oui. La façon dont RPG le joue, je me suis dit, bah ok, c'est fini. Et en plus, la façon dont c'est monté, c'est l'un des rares moments où je me suis dit, ok, là, les mecs, ils déconnent zéro, il n'y a pas de blague et tout, c'est ouais, sec. Bon. Et en plus, c'était un moment où les gens ne l'attendent pas parce que tu te dis, bon, bah, il est pas mort tout le long du film, il va pas mourir maintenant, il a l'air de gérer. Et d'un coup, et il a, si, si contrairement à Chewbacca, il a, il a, il a survécu à la chute d'une lune sur lui, euh, il peut se. Re je commençais à, à avoir cette pression, euh, Anne Solienne, de Star Wars 7. Ouais moi scène, aussi. J'étais oui. en train. Pour moi, enfin moi, j'ai pas aimé la fin du tout. Euh, euh, en tant non, que lecteur coup... de comics, je pense que ça dédramatise. Enfin, euh, tu... je sais que. Tu attends, vois ce je que je te veux dire Point de vue, vite fait. En gros, genre, bah pour moi, ça, c'est genre, ça dédramatisait tout l'enjeu du film. Et en tant que lecteur de comics, je sais que euh, ces personnages ne sont jamais morts. Finalement, donc pour moi, ça a tout cassé un peu le délire. Et du coup, ouais, ce, ce, cette partie de Tony Stark au final où c'est trop dédramatisé et. Sans que ce soit par l'humour, ce qu'ils font d'habitude. Déjà que les enjeux dans les films de Marvel Studios sont pas souvent élevés et qu'on sait jamais. Enfin, on sait tout le temps qu'on n'en sera pas vraiment surpris quoi. Euh, la dernière fois, c'était parce que Thor perdait un œil et son marteau. Il a déjà un nouvel œil et un marteau pour prendre exemple. Euh, et du coup, ouais, je trouve ça vachement dommage euh, en fait que qu'ils donnent limite tu vois, après j'ai hâte de voir le cadre comment ça va tourner du coup mais je trouve que ça presque dommage en fait qu'ils appuient le fait que ça allait être un film événement, événement et tout que ça allait être la fin d'une époque et tout alors que finalement pas du tout tu vois mmh. ce film c'est juste bah, un crossover euh, et cette fin bah ouais c'est sûr à installe des bails il y a deux fois moins de héros mais euh, j'ai déjà dans ma tête la, la scène où ils vont tous revenir, et ils seront tous là. Oh, ouais, il cool. y a un côté pénible et répétitif à l'idée de les voir tous disparaître un à un alors qu'un truc sec aurait été d'autant plus efficace, tu vois. Je dis rien a un moment où t'as l'impression que ouais, Peter Parker est, est, pff, Non, ils vont, ils vont les chercher. Je, je sais pas, tu vois, les mecs qui font bah ok, on sait pas où sont Spider-Man et tout, parce que globalement, j'imagine que la suite, c'est de retrouver tous ces gens disparus, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Retrouver... Ils ont arrêté d'exister en fait. Ils, ont, ils sont pas disparus dans une autre réalité, ou machin, Oui, mais enfin c'est pas à moi, c'est pas, pas à toi que je vais apprendre qu'ils vont les récupérer d'une manière ou d'une autre. en bon, remontant dans le temps, mais je vois, enfin pour moi du coup c'est un autre truc, mais. Mais du coup, euh, je, je trouve que faire ça et faire ça aussi de d'aussi nombreuses fois, parce que tu le vois quand même peut-être presque une dizaine de héros disparaître, tu vois. Hein euh, T'as un côté un peu euh, bah après euh, après avoir feinté la mort tout le long du film et après avoir euh, après dix ans d'univers où quasiment personne ne meurt tu vois je bah j'arrive bah pas coup, à c'est le, et... le choc mais je sais pas c'était un quoi, choc dans la salle du truc et bah ouais c'était eu... un choc dans la salle mais j'avais juste l'impression de dire aux gens mais putain moi les gars il y a deux secondes j'ai l'impression que Gamora allait être tuée par Star Lord ou que Iron Man allait se faire empaler par Thanos vous étiez en train de rigoler et là ils disparaissent en, fe... en... en feuilles morte et là vous êtes en train de chialer mais qu'est-ce je sais pas je sais pas je sais pas, pas si c'était moi qui fais mon élitisme mais j'étais bah je suis désolé mais là tu vois 10 personnages disparaître d'un coup sans qu'il y ait un fight, tu sais très bien si tu vas deux fois euh, plus de deux fois au cinéma par an que ça des personnages disparaissent pas comme ça, tu vois. C'est qu'il y, y a au moins un truc satisfaisant dans leur disparition. Là, c'est tellement gratos que tu sais qu'ils vont revenir d'une manière ou d'une autre, tu vois. Et euh, même si mettent Thanos will return à la fin et pas Avengers will return, tu vois. Et d'ailleurs, ça aurait été vachement pustiné que Thanos soit victime de son propre truc en disant que peut-être qu'un sur deux ça peut tomber sur lui et que du coup les, les Vengeurs euh, doivent retrouver le gant et l'utiliser réussir à l'utiliser pour récupérer les gens et trouver un autre méchant ou un autre truc mais je sais pas je trouve ça du coup sur la fin j'étais genre bah sauf Peter Parker Tony Tony Stark parce que je pense qu'il y a un truc qui fait que émotionnellement euh, ils ont le temps de se voir les autres disparaissent tout seuls. et après ils font mais où mais où connard bah, ouais, c'est cool mais on sait qu'ils sont là dans le cadre ou euh, comme dit Manu tu vois t'as un planning derrière et... et voilà quoi mais après Marvel Studios a appris erreurs et ils ont dit qu'ils toi tu le sais Ouais, mais à un moment, je veux dire, les gens s'attendent à des ah suites ouais, aussi. Plus, faut moi, je parle de, de mon expérience coup. spectateur. Hein, je vais pas, genre, me dire, bah, je suis pas censé le savoir. Donc, même en tant que. Enfin, je sais pas. En plus, je pense que tu prends les gens euh, pour des naïfs parce que, le clairement, Marvel est... Studios, c'est des milliards. Hein, donc, les gens, ils sont. Les ficelles, ils... elles sont grosses. Hein. Ouais, et puis même les, les spectateurs, maintenant, ils sont vachement avec Internet et tout. Ils sont vachement. Enfin, ils connaissent la culture Marvel Studios. Euh, ils annoncent ça officiellement. Il y a des. Enfin, je pense que les gens, ils sont à part si t'as pas envie de savoir. Franchement, pas, les gens pas, même pas forcément grand public ou pas forcément à fond Marvel Studios, ils savent déjà qu'il y a une suite. C'est pas euh... forcément euh, naïf mais c'est aussi aussi, aussi d'avoir un peu envie de, de se porter par l'histoire parce que si tu vois les films en disant de toute façon ouais c'est sûr ils vont revenir et que, tu, et que du coup t'arrives tellement à te distancier que bah en fait y a aucun intérêt en fait à suivre, mais du coup bah arrête aussi d'aller voir ce genre de, de production. Parce tu parce que prends que, ça ah, vachement à cœur, non à chaque mais, fois mais, ça me. Non ça mais me non mais, pas, mais, pense, mais parce que je pense que moi bah oui mais moi pour moi en fait tu vois genre la fin la mort de Gamora et tout déjà tu vois j'étais là ouais ok c'est sec c'est un personnage que j'aimais bien et tout et je trouve que c'est juste que c'est pas dramatique en fait c'est juste ça peut-être qu'ils auraient pu faire d'une autre façon et ça aurait été dramatique mais le fait que la moitié des persos disparaissent dans une scène en 5 secondes bah moi je trouve moi c'est pas dramatique pour moi parce que bah Clairement, oui, de cette façon en plus, qui fait que je sais que l'enjeu, il, déjà... il va déjà être renversé, tu vois. Enfin, il n'y a pas eu d'épique et tout, et c'est pour ça que pour moi, le film, il n'est pas épique. Déjà, des fois, il y a trop d'épique, en fait, qui fait que ça annule l'épique, et cette scène en particulier, bah, moi, elle n'est pas dramatique, tu vois. Je vois ça à la fin, il f... bah, je suis là, ouais, ouais bah, mais je sais qu'il y a, a dire, climatique aussi, parce que c'est d'un coup, tout le monde disparaît, c'est très calme au final, tu vois, il n'y a pas de. de c'est pour brande, ça que je te y dis justement qu'il n'y a pas, des... y a pas de. Ça... C'est pas dramatique, ce que bah, mais, dire, mais ça fait le contraste, et quelque part, Pour moi, ça marche pas qui provoque le jeu mais moi ce que je veux dire aussi, c'est que c'est pareil dans, dans les comics, tu vois, tu as aussi ce, cette, ce retour au statu quo qui s'opère tout le temps. Bah oui. Et, que, et, que tu, et quand tu lis <laughs> tes bon comics, tu sais aussi que, effectivement, si tu vois un personnage qui va mourir. J'ai envie de dire. Non, non, mais pareil, je prends un truc super récent, mais as, euh, as Avengers No Surrender où, euh, en gros, ils te font euh, plus ou moins crever euh, Jarvis au, au début. Et tu sais très bien qu'il va pas mourir, tu sais très bien que même si te disent, "ouais, on le voit pas, il est mort, machin truc, tu sais qu'il est pas mort, pareil, font, il y a Johnny Thunder, non, merde, pas Johnny Storm. Johnny Storm. Johnny Storm, pardon, qui aussi, dans le deuxième numéro, se fait sécher trois à et voilà, c'est un cliffhanger, et tu dis, bah non, il est pas mort. Ça m'a fait le même effet. Et t'as quand même, bah oui, mais techniquement, enfin, sauf si t'es devenu complètement blasé du truc, t'as envie de quand même poursuivre, tu fais, ok, je sais que forcément, il y a des tricheries, mais je continue à poursuivre le truc, je me après toujours parce que c'est aussi le jeu de, non, de genre moi, sorte de, de comics. En fait, dans un et numéro justement, enfin en dans un film, dans un numéro, tu vois, où il y a des vrais morts et tout, pour moi, l'effet dramatique était déjà là, tu vois, et genre rien Gamora et tout, pour moi, c'est vachement dramatique, tu vois, j'ai pas. Hâte pour de moi, c'est le seul vrai mort dramatique avec du film, avec avec euh, euh, voilà, j'ai pas envie de revoir avec une... le début quoi. J'ai pas de revoir Star Lord et Amdal C'est ça, et du coup, et pour moi, c'est vachement peu dramatique parce que, parce que justement c'est fait de façon anticlimatique et tout et que ça, ça se fait comme ça tu vois et que, et que en plus pour moi à titre personnel les faits ne fonctionnent pas tu vois je suis là bah pour moi ça ne fonctionne pas sur moi mais après, après tu vois je trouve le film à des moments dramatiques et justement tu vois ça contrebalance avec le fait que des, pour une fois Marvel Studios a pris des choix qui sont bolsy tu vois bon tu es Amidal peut-être c'est facile mais tu es Loki tu vois c'était pas si facile que ça même si bon Loki encore une fois à titre personnel je trouve c'est un personnage en dehors de ça parce que Loki pourrait revenir facilement quoi en, faisant, en, en disant bah en fait j'étais pas mort mais tu vois je trouve que bah là c'est pas dramatique et, et après enfin la salle ça a marché à fond hein, tous les gens euh, dans la salle ils étaient là oh quoi et tout donc clairement non, moi ça, marche, pas quoi. compris quoi mais pour compris. moi ça marche pas du tout mais non mais moi en fait quand t'as où... avec euh... mais laisse moi parler White Wolf euh, Giz... non mais à partir... tu viens de parler 20 minutes je prends le micro tu me laisses pas parler bah ouais bah écoute <laughs> mais non mais je vais te débrancher <laughs> tu vas rien faire mon gars vas-y vas-y non je voulais te dire moi, moi là où là où je, où je me sens trahi un peu tu vois c'est c'est dans toute cette politique de, de de nous dire que Avengers 3 et 4 c'est pas c'est pas un film en deux parties c'est deux films séparés même s'il y a une histoire qui se suit que il faut absolument pas spoiler parce que cette fois il y a vraiment des trucs à spoiler dans le film et ben, j'ai envie de dire non tu vois pour moi ça m'a fait l'effet je, je vais te prendre un truc grand public oui je vais te prendre Game of Thrones. Ouais. Pour moi, il aurait fallu un Ned Stark. Et on a eu un Jon Snow qui est mort en fin de saison 5, où tu sais qu'il va revenir dans l'épisode 1 de la saison 6, tu vois. C'est si que on... ça, c'est désamorcé direct. Tu sais que, de la façon dont c'est fait, c'est pas voué à tenir. Gamora peut-être. Et du coup, Gamora, la, Gamora et Loki et Emdel, c'est les seuls qui ont un impact dramatique sur moi. Les autres, c'est trop. Et c'est fait d'une façon euh, si sèche que tu sais que non, ça va pas tenir. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est un cliffhanger 2017-2018. C'est euh, le truc qui est fait pour euh, faire un ⁇ Oh sur le moment, mais en fait, c'est pas, pas voué à tenir, ça sert à rien. Bah après, c'est le principe du cliffhanger aussi. Quoi. Je veux dire, dans, même, dans, même dans les comics, tu as un truc de dernière page, tu fais oh, et t'attends le mois prochain pour avoir ton numéro, et deux, deux secondes oui, je, après, c'est résolu, tu vois. Je pense que Manu a tué le game avec sa comparaison avec Game of Thrones, mais ce bah, que je sais je pas moi, dire la mort de Jon Snow. Euh, sur le coup, je, tu savais que ça allait revenir, mais ça marche quand même sur le fait, tu vois, que quand t'es dans l'instant présent, euh, ça fonctionne. Ouais, mais, après, non, mais est -ce, que, ce que je voulais dire, c'est que du coup, c'est un problème au sein d'un film qui met en scène pour une fois des vraies morts et autant, parce que 3 pour un Marvel Studios, c'est quand même un body count assez élevé en dehors des méchants. Et euh, et eh ben ça plus le fait qu'à la fin ils disparaissent tous, mais pas de la même manière, tu vois. Je trouve ça vraiment dommage parce que tu mets tout de suite en comparaison ce qui est une vraie et une fausse mort entre guillemets, tu vois. Et ça, ça m'a vraiment gêné parce que je me suis dit bah en fait là c'est le moment où vous en enchaînez dix et c'est pas possible que vous les tuiez ou en tout cas pas comme ça. Tu sais comment j'aurais eu le doute C'est très simple. Thanos à un moment il arrive, il en sèche cinq ou six à la suite en les mettant sous des souches et tout. Il les butait et c'était pareil, tu vois. Et voilà, tu vois, t'aurais au moins visualisé Black Widow, euh, Bucky qui meurent les uns derrière les autres, mais qui meurent, tu vois, pas, pas qu'ils qu disparaissent quoi. Les mecs meurent, tu vois, mais genre sec Et en plus, c'était déjà euh, totalement euh, l'une des idées de Whedon avec le rêve de Scarlet Witch, c'était de pouvoir dire, bah regarde, je peux montrer la mort de Captain America avec le bouclier brisé, qui est une image hyper emblématique des comics. Là, ils auraient pu se faire plaisir et limite te mettre le doute, tu vois. Genre, est-ce qu'ils sont vraiment morts ou est-ce que, comme les 4-5 à la fin, sauf que là, t'en as 3 au milieu du film, enfin, répartis sur le film, et en as 10 à la fin qui claquent et qui meurent en claquant des doigts, littéralement. Et du coup, bah, tu. Des... Voilà, et ainsi que la moitié de la planète. Mais bon. Mais après, je sais pas, moi, je trouve ça quand même vachement intéressant parce que, effectivement, même si on peut se dire, ouais, ils vont tous revenir, machin, maintenant, c'est aussi la question du. Comment ça, va, comment ça va se faire, et par rapport à ceux qui restent et ceux qui sont partis, qui va vraiment revivre, et qui parmi ceux qui sont encore là, vont vraiment... Que, de... Je pense qu'au moins Marvel Studios montre que là, ils ont vraiment des, un jeu de cartes à redistribuer, en fait. Et que ouais, vraiment... Mais super, du et coup, du coup à, à, moins de mettre, à moins de me dire que Nick Fury, d'un coup, euh, c'est David Asseloff avec un patch, que Spider-Man, c'est Miles Morales, et, et tout ça, je serais chaud, hein. même, euh, même David Asseloff, Je Asseloff. Sauf si ça mène vraiment à un recasting de, de ouf, parce que potentiellement, ça peut être un méga twist, je dis pas. Mais en l'état, euh, je pense surtout que ça va être fin de contrat pour ceux qu'on n'a pas envie de revenir et renouvellement pour ceux qu'on qu a envie de voir revenir, tu vois. Et je ne pense pas qu'il y aura recast ou euh, changement un impact majeur sur l'univers. Après, je peux me tromper, on se donne rendez-vous l'année prochaine, on fera un podcast ensemble, et puis on dira « Putain, euh, j'aurais jamais imaginé qu'ils mettent Miles Morales euh, dans cette nouvelle euh, terre, quoi. » Et moi, là où je me sens aussi... Euh, J'ai l'impression qu'on s'est ouais, voilà, on, on, ouais, foutu de ma gueule. C'est aussi dans, dans, le, dans la com sur le... Euh... Ouais, on n'a toujours pas donné de titre à Avengers 4, parce que, vous verrez, avec Avengers 3, tu vois, je me suis dit, ouais, il va vraiment y avoir un truc, quoi. Genre un... Il va avoir... ah, si, moi, je pensais à Secret Invasion, ah, mais moi ça aurait fait plein de trucs. Secret Invasion. Et là, non. Enfin, ça peut s'appeler... Une <laughs> vie Warp Ce serait sera le truc même. le plus logique du monde, quoi. Et c'est ce qui a été annoncé il y a 5 ans. Et bah, arrêtez de vous foutre de ma gueule. Après, Franchement, arrêtez de vous foutre de ma gueule. Si on, peut si on veut théorie crafter sur euh, la prochaine partie, il y a un truc que, si tu veux aller mais genre très très loin... Ça peut être euh, tous ces je tous ces gens qui ont disparu là. Ils sont dans un monde où il enfin où y a, ils ont plus de pouvoir, un peu comme House of M, tu sais, ou par exemple. Euh... Où il y a les X-Men. Ouais, là tu théoriques <laughs> grave très loin, mais non, mais ça peut être un monde où en fait bah, tous les gens ils ont disparu dans un dans un monde normal entre guillemets et euh, ils sont bloqués sans leur pouvoir. Ça serait intéressant aussi à voir, par exemple que. Ils ont ouais, ils ont pas tous des pouvoirs, mais il y en a qui en ont quand même et des game changers, genre Scarlet Witch elle a disparu dedans, tu vois. Scarlet Witch sans pouvoir. Euh, un délire. Alors, moi, bah, j'ai pas le souvenir que à Twitch est disparu. Du coup, je, je peux. En fait, c'est assez facile pour moi. Ceux qui restent, c'est ceux qui arrivent en fin de contrat. Ceux qui ont disparu, c'est la nouvelle génération. Donc, euh, je pense que. En plus, ouais, moi, tu vois, par rapport à cette fin, je trouve que le calcul, c'est vite fait. Tu vois, il bah, y a Captain <laughs> America. Clair. Non, en fait, ouais. Il y a Cap. Il y a. Il y, y, y a qui Il y a Roddy, tu vois. Genre, Rhodey, ça fait longtemps. Il y a Tony Stark, forcément. Il y, y a Black Widow. Et Roddy, il est toujours là y a à la fin. Hawkeye, Hawkeye qui va revenir. Enfin, tu vois, c'est pour moi, c'est la vieille génération et limite, tu vois, ils vont me faire, bah, ok, c'est nous qui disparaissons et puis les autres viennent peut-être, tu vois. Enfin, je ça. sais pas. Peut-être que Arnaud, il a raison, ils sont dans un monde où personne n'a de pouvoir et okay, il est dans ce monde-là et du coup, c'est le seul qui est trop fort. <laughs> c'est pour ça, il est devenu Ronin, il déconne zéro, tu sais, il s'est chopé une armure qu'il a fait lui-même dans sa petite cabane euh, dans les champs et il met des mandales à tous les autres en mode, eh, sec les gars, vous foutiez de ma gueule avant Ah non, skill dans. Il n'y avait pas, alors je ne sais pas si on peut trop en parler, mais il y a quand même des photos de tournage d'Avengers 4 qui vont vachement dans le sens de réalité alternative et ce genre de choses. Donc je pense qu'il y aura aussi une exploration là. Ce fait tu de cet univers pour les mettre dans un autre univers où ils ne posent pas de problème en termes d'empreintes écologiques. Je sais pas. Mais parce que c'est quand même sale le ça le délire, c'est d'éliminer ça... la moitié de l'univers parce qu'en gros son impact est trop ça, important Ça tourne surtout si sur. La, euh... la déplacer ailleurs euh... Ça tournerait surtout du, sur du voyage dans le temps, même les, les, les mmh. photos de tournage, parce que c'est des recréations de scènes qui ont déjà existé quoi, et qui sont euh... enfin, qui font partie des gros films genre Avengers. Euh... Peut-être une timeline totalement différente où ils vont refaire le truc, mais. mais ça, c est c est le, le, le... le plan c'est de revenir à Avengers 1 et de détruire le Tesseract. Euh... Et c'est ce que Doctor Strange a vu dans son Seul Futur Possible. Mais après, il y a quand même plein de possibilités. Là où Star Wars nous a laissé sur un statu quo où on ne sait pas ce qui va se passer. Bah, on ne sait pas sais pas sais vraiment ce qui va se passer. Là, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on sait où ils veulent en venir quand même. Oui, tu, bah, tu sais le statu quo, tu connais. T enfin, t'imagines le statu quo parce que tu as aussi des éléments comme tous ces si, je sais pas. On, on peut se dire que si on savait, euh, si on connaissait pas en fait la durée des contrats de chacun et que tout le monde avait encore signé, là tu pourrais dire bah, peut-être que s'ils avaient tous signé, ce serait tous de retour. Donc, ça ne marche pas non plus. <laughs> Genre Chris Evans qui a deux semaines dit qu'il reviendra pas et cette semaine de oui, articles, non, mais... il reviendra pas sauf peut-être. <laughs> Après il faudra voir s'ils arrivent à trouver des contrats entre temps ou pas quoi. Sinon il fera un petit retour parce qu'il faut faire de la Marvel Money aussi de temps à autre quoi. Mais euh... du coup ouais. Je suis quand même surpris de, de voir à quel point le procédé ne fonctionne pas pour vous et j'ai l'impression que c'est réellement par contre conditionné aussi par, bah, par le fait que bah, qu'on suit vraiment cette actualité donc on est au courant de plein de choses c'est pas, pas du tout est ça mec Forcé, justement on est que t t pas de ce que je dis tout à l'heure hein ça n'a aucun rapport avec ça c'est juste moi c'est un effet scénaristique enfin un effet de cinéma qui marche pas c'est tout c je vais pas plus loin que ça hein. c'est juste que quand t'as 12 000 personnes qui meurent devant moi bah perso je m'attache pas quoi as pas le... c'est des personnages ouais mais ils disparaissent tous du coup tu t'as pas le temps de te dire ah merde non et tout enfin je suis là bon bah ils disparaissent tous et comme en plus c'est une cache machine tu vois sans être aussi euh, focalisé dessus tu vois euh, dans n'importe quelle série, je saurais que c'est des personnages qui reviendront, tu vois, ou dans n'importe quelle autre saga de film, tu vois, c'est juste que. <laughs> Franchement, ils auraient fini pareil. Et là, t'avais un avais un écran noir, et deux ans plus tard. Tu as ça marqué deux ans plus tard, et là, t'avais le euh, statu quo, deux ans plus tard. Genre, il s'est pas passé, ils sont, ils sont parvenus pendant deux ans, les héros, tu vois. Enfin, tous les gens, la moitié de la planète qui est mort. Là, là, ils auraient eu des couilles. Là, mmh. ils finissent sur un truc, les gens disparaissent, ça se termine. Tu sais très bien qu'ils vont venir, quoi. Enfin, c'est. Pour c'est ouais, c'est le, c'est le, le cliffhanger 101, quoi. Et on en a bouffé des cliffhangers avec justement en bouffant des comics quoi. Et pour moi, déjà, c'est un procédé que je déteste parce que c'est, c'est l'art de vendre un truc que qui n'existe pas du tout. C'est l'art de vendre du vent souvent. Et tu vois, par exemple, là, je trouve que c'est un cliffhanger qui est qui est parfaitement dans cette lignée de, c'est l'art de vendre du vent quoi. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté un peu neuneux dans cette idée On arrive un petit peu déjà au bout de l'idée de. Euh, il décime les gens, c'est pas un tous les dix, mais c'est un, les... enfin, un sur deux, quoi. T'es là, genre, bah, quand tu vois euh, de la scène peu générique avec Nick Fury et Maria Hill, et d'un coup, bah, les mecs dans l'avion, dans l'hélicoptère et tout. Enfin, tu vas avoir une vieille scène à la le Roland Emmerich au début d'Avengers 4, voilà, tout le monde est mort, mais au final, il n'y a pas de menace. Alors que je vais te donner un exemple, tu feras ton cœur. Le, le cauchemar de Bruce Wayne dans BBS, tu te dis putain si c'est ça vers lequel faut se dirige, faut qu'on aille vraiment euh, se bagarrer avec le méchant parce que sinon on va finir euh, euh, esclave dans un désert à la Mad Max, tu vois. Alors que là j'étais à genre ouais bah, des hélicoptères qui tombent du ciel, des gens qui paniquent dans New York, j'ai vu ça depuis toujours en fait. Donc euh, je trouvais qu'il y a aussi un côté qui fait que bah Thanos nous le dire. Hein, après ça j'ai fini, donc je m'en branle. Donc, à la rigueur, euh, il a le droit d'être fermier, tranquille, comme il veut. Mais je sais pas, y a, y a, visuellement, il y a un truc même, euh, tu vois, qui, qui fonctionne pas. Comme dit Alex, pur effet de cinéma, tu vois. Et tu vois tout le truc. Et en plus, quand c'est filmé comme ça, façon film catastrophe, alors que l'invasion de ces espèces de donuts volants, comme dit Tony Stark, au départ, est super prenante, quoi. Là, j'étais là, genre, bah ouais, forcément, les hélicos vont tomber, euh, il va y avoir des accidents dans tous les sens. Mais voilà, c'est pas c'est pas une promesse de ouf pour la suite. Alors que, comme disait Manu, deux ans plus tard, euh, je sais pas, t'as Thanos qui règne sur la Terre ou l'Univers euh, avec machin ou truc, enfin, euh, bah, avec nous réduits en esclavage, et l'idée que peut-être l'Avengers 4, bah, ça se passe dans le futur avec, enfin, euh, tu vois, un délire euh, plus euh, des office past euh, au début, tu vois, genre, euh, avec les héros qui restent et, et Hawkeye, enfin... Euh, on a, eu cette non, mais on a eu cette théorie sur le fait qu'ils aient sorti un comic book Allman Hawkeye okay, tu vois donc je me suis dit bah à un moment en fait à la fin il restera juste Hawkeye parce qu'il n'aura pas participé à la mission et il entraînera une nouvelle génération de héros et au final ça, leur but ça sera de, ça sera de récupérer euh, et voilà ce sera Young Avengers ou un truc comme ça tu vois et au final je trouve que là il y a Là, il y a tu t'as juste des morts, tu vois. Et je, je, Globalement, en général, dans la fiction, je trouve que cette espèce d'idée de des personnes ont disparu, bah, je, je, moi, je trouve pas ça du tout engageant, en fait. Je suis là, bah ouais, vous allez les retrouver, c'est super. On est déjà sur un rail pour le 4, quoi. Ça, je, trouve, je trouve ça un peu triste. Comme dit Manu, on sait déjà vers quoi on se dirige. Moi, il y a juste un, un truc, euh, un point euh, qui m'intéresse, en fait... Euh... Que j'ai trouvé euh, entre guillemets mystérieux parce que bon, euh, les disparitions, tout ça, on s'en fout. C'est euh, quand tu vois le, le plan sur euh, Thanos le fermier là à la fin, tu vois aussi un plan euh, très rapide sur le gantelet et toutes les gemmes sont pétées. Enfin, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais tu vois, le gantelet il est défoncé. Enfin, tu sais qu'il pourra plus servir et que ça a marché une fois le coup de claquer des doigts, ça ne pourra plus jamais remarcher. Donc, ça, est-ce que du coup, mais comme... ça, euh, les gemmes sont pas forcément mortes le gantelet qui est mort ben après je sais pas parce que tu vois enfin moi il m'a semblé voir les, les, les éclats de gemmes vraiment péter dans le gantelet enfin, après il faudrait revoir le film tu vois vraiment pour euh... mais moi j'ai l'impression que c'est un peu et, et la scène est où c'est pas, avec... pas des artefacts que tu niques comme ça normalement quoi ben ouais mais justement Même ça si pourrait bon. être pas mal enfin là du coup ce serait bolzi de dire bah c'était un truc à usage unique t'as fait ton truc c'est super mais tu pourras pas le refaire et vous les héros Pourrez plus réutiliser ce procédé là pour sauver les gens quoi genre la gemme du temps comme tu disais, euh, s'ils veulent utiliser voyage dans le temps, bah là c'est niqué et, et pété la gêne du temps et tu ne peux plus la réutiliser. Donc trouve un autre moyen, mec. Parce que sinon, effectivement, euh, euh, tu fais un voyage dans le temps avec euh, l'œil d'Agamotto et ah, tout va tout va pour le mieux, c'est super. Mm. Je pense que c'est ce qui va se passer hein, dans la partie la bio obvious parce que quand même, Docteur Strange. Euh... Bah, c'est le gardien de l'œil du temps tu vois ouais. enfin, de, de l'œil d'agamoto et de la pierre du temps donc euh, il va la récupérer cette putain de gemme moi je pense que c'est ce qui va se passer à mon avis enfin de, de mon avis bah, ce que j'ai c'est juste avengers 4 avec que... la récupération enfin ils vont traquer thanos et ils vont récupérer la, les gemmes peut-être euh, toutes peut-être pas toutes mais euh, sachant que... six peut-être strange ouais. ils 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 ça, il fait aussi partie de ceux qui voilà. disparaissent il me semble non mmh de Strange, il fait aussi partie de ceux qui disparaissent ou pas euh non, Je sais je plus. Si, il disparaît. Ah ouais, si il disparaît. Ouais c'est ouais, ouais, voilà, une plus, nouvelle euh, c'est clairement que euh, il va avoir un rôle à jouer dans le dans la récupération mmh. des trucs. Mais pour moi, ils sont clairement morts. Par contre, euh, je les imagine pas, tu vois, genre dans une mmh. terre parallèle. Euh... C'est Lost. C'est Lost. <laughs> ah non <laughs> ouais, donc ils sont pas dans une réalité alternative ou euh, whatever, ils sont Non, je pense pas. Non. Mais du coup, comme, enfin, du coup mais comment, comment on fait à part le, le voyage d'un temps pour faire venir tout le monde Ils peuvent modifier la réalité, ils peuvent faire plein de trucs. Là, ils vont ils, ils appeler quelqu'un qui a passé 20 ans dans un univers cosmique ils vont trouver quelque chose. Ouais. Parce que du coup, c'est pas juste alors, le voyage qui sera plus important que la destination, vu que de toute façon, la destination, a priori, on la connaît déjà. Bah ouais, mais. Fais bien le voyage, quoi. Là, je suis désolé, mec. T'as as Bucky et. et... <laughs> T'as Bucky qui crève et Falcon qui crève devant Captain America, et le mec il pleure pas quoi. Le mec il est juste oh god, qu'est-ce qu'on va faire Franchement, il y a bros quoi, Tébro il vient de déboire devant toi là. C'est clair Le mec il a pas un parcours facile quoi. Ouais, c'est vrai. non peut-être Starlord Gamora elle pleure aussi, elle pleure pas mal Gamora dans le film quand même. Ok. Bah, du coup, euh, la mort euh, la plus significative du film, il met deux minutes où tu sais déjà qu'il va mourir <laughs> avant de euh, tu vois. Oui. J'ai détesté ce que tu viens de rappeler Manu. C'est-à-dire que le spectateur sait déjà, dès la première scène où il se retrouve, qu'il aime profondément sa fille, tu vois. Et Elle lui fait ah t'as perdu et t'es là j'en t'es con ma pauvre putain c'est pas possible elle <laughs> a l'air euh, j'avoue je... que ce twist de en fait si il aime Gamora moi, c'est suis dit « mais c'est super nul en fait son discours et je me suis dit bah si elle va prendre le truc et elle va se elle va se planter tu vois et il aura pas il aura pas la gemme mais au final bah elle peut pas le faire enfin il l'empêche et parce qu'il est imbutable et qui ressemble à Bruce Willis mais euh, <laughs> c'est c'est dommage des fois comme ça de faire des trucs où tu te dis genre eh, ça les gars, faut relire un petit peu le scénario parce que franchement, si t'es pas trop con, t'as bien compris que lui il est attaché à, à même à Nebula aussi, tu vois, donc mm. euh, c'est un peu. Un petit peu. Ouais, Nebula, même, hein. Il la torture pas mal, ouais la torture mais je pense que oui non mais je veux dire je pense que je pense c'est justement la différence familiale tu vois c'est la différence de de traitement entre les deux qui permet de comprendre que Thanos est amoureux de enfin amoureux, amoureux. aime sa fille quoi pardon non c'est pas ce que je voulais dire euh, mais oui parce que justement tu vois lui il en a rien à foutre d'utiliser Gamora pour euh, comme leverage tu vois pour euh, oui. comme levier pour, pour mais Gamora mais c'est ça que et je il voulais dire il l'aime la un peu ah, à sa façon tuer. quoi pour l'utiliser contre l'autre ouais. hein. <laughs> enfin, bref bah, je sais c'est un individu assez pervers assez retourné alors, je pense qu'il a une fille qui déteste bien et l'autre qu'il aime beaucoup. Tu vois. Oui, il lui dit clairement euh, Si tu mérites pas de tuer, ce serait un, sera un gâchis de pièces détachées. Quoi. Bah, ouais, ouais, vrai que je pense que c'est pas, pas hyper amour paternel comme histoire. Ouais, après, tu sais que quand tu remets The Guardians 2, que, ouais, il, 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 il les mettait en compétition et tout, machin. Donc, c'est l'un des films que j'ai revu pour le Countdown. Et c'est vrai que pour le coup, ça m'a pas mal permis, puisque l'un des trucs que j'ai préféré dans le film, c'est cette relation-là. D'ailleurs, James Gunn est producteur du film avec John Favreau. Et euh, du coup, c'est amusant de voir que les, les gardiens ont un grand rôle quand même à jouer dans tout ça. quoi Voilà. Je crois qu'on a fait un grand tour quand même de la chose, donc de façon aussi traditionnelle, c'est le moment de mettre sa note perso Donc euh, monsieur 4,5 sur 5, ouais, ouais, peut-être à vais... Alors même juste avant ça quand même, c'est du coup euh, par rapport aux autres Avengers Moi je pense que c'est... Euh, ouais bah je vais mettre en même temps, alors du coup bah, moi ma note je pense que je vais jouer safe, je vais mettre la note qui veut rien dire, 3,5 ou 3 tu vois J'hésite entre 3 et 3,5. Je pense que je vais mettre 3,5 parce qu'il y a vraiment des moments que j'ai kiffé. Euh, et euh, après, je trouve que le film en lui-même n'a euh, pas grand-chose à raconter. On a un petit peu, avec Alex, tenté de, de parler de certains thèmes, etc. Mais il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent dans celui-là. C'est vraiment qu'une grosse baston de blockbuster. Et en plus, comme l'a dit Manu. Euh euh, à maintes reprises, on est aussi dans une espèce de, de transition, de, c est, c est, on n'est pas dans, une, dans quelque chose de satisfaisant euh, d'un de, de, point de vue de l'intrigue, pas point de vue des arcs narratifs, on est totalement satisfaisant dans les, les interactions entre les personnages, l'action, euh, les effets spéciaux, tout ça, mais derrière, tu n'en ressors pas avec grand chose, j'ai l'impression. En fait, Et d'ailleurs, je trouve qu'on a vachement vite fait le tour par rapport à un Black Panther qu'on a vu il y a deux mois où on était super excités de voir la suite, euh, d'être surpris de plein de trucs, notamment du méchant bien fait. Là, Thanos est bien fait, c'est clairement une qualité. Ça le place, à, à mon sens, au-dessus de, de Avengers 1, que personnellement, je trouve visuellement pas très intéressant. Et euh, très vite, Concon, ah, je le tape dessus. Ah non, je plus fort que toi. Ah ben bah, on va taper le méchant. Euh, voilà. Mais par contre, tu vois, je trouve que je, je, je reste. I stand by my point mais euh, Age of Ultron reste tu vois, en tant que tel genre bien plus enfin euh, voilà amorce des arcs introduit pas autant de personnes, enfin introduit plus de personnages parce que là, les personnages on les connaît déjà. Il n'y en a pas ouais. des nouveaux à introduire à part Thanos, encore que il est déjà il était déjà là depuis quelques temps. Mais tu vois, au final, c'est super satisfaisant de voir à part Quicksilver des trucs qui sont ils sont devenus méga gênants avec le temps. Je veux dire, euh, Scarlet Witch, tu vois son apparition dans Age of Ultron, il y a un truc qui se passe. Tony Stark, son arc est super cohérent avec Iron Man 3 et tout. Euh, L'engueulade avec tout ce que ça développe sur Civil War, Enfin, c'était hyper satisfaisant de voir ça et de voir d'avancer en même temps que. Et là, j'ai et Hawkeye okay, ça, bien sûr, au okay. il y a elle enfin, me souffle le caille, mais forcément. Et Dans euh... la construction du MCU en tant que euh, série télé à énorme budget, un épisode comme Jeff Lutz apporte beaucoup plus. Bah en moi j'ai l'impression que euh, qu il apporte, il, il, a, il a déjà j'ai l'impression qu'il apporte plus, genre plus de nouveautés et qui fait euh, et qui qu te comment dire en tant que épisode unique si jamais tu veux le remater et je l'ai fait. Fonctionnerait sans doute mieux parce que là en plus on va être super dépendant du 4 et je pense que personne va un jour se dire tiens je vais mater le 3 puis on va pas enchaîner sur la suite. et bah, je, pense, euh... je pense que clairement aussi le 3 par rapport même au truc du event crossover que tu lis vraiment dans la temporalité d'un truc parce que c'est l'événement en cours. une euh, War tu regardes maintenant, je suis pas sûr que tu l'apprécies dans deux ans à te le refaire comme ça. Bah, hein. C'est le problème des Marvel Studios, ils sont souvent en si leur contexte. Kiffes, ils ont mais... du mal à se dégager de, de leur timeline mais et ça va être super chelou de mater Ant-Man and the Wasp entre temps les gars. Je ne sais ah, pas si vous vous rendez compte à quel point on va aller au cinéma et on va dire mmm, ils, ils, sont, ils sont dans quel dans quel moment temporel. Est-ce qu'il n'y a plus que la moitié de la planète Qu'est-ce qui se passe Ça sera marqué avant, Mais, euh, bien pff, indiqué ouais. en gros avec des Mais bonnes du grosses coup. lettres jaunes et rouges. Mais du coup, euh, tout ça pour dire que c'est étrange en fait ce Infinity War, c'est-à-dire que j'ai été saucé sur plein de trucs, vraiment régalé euh, par par d'autres. Mais as un peu l'impression qu'au final euh, c'est guère plus que ce que tu imaginais dans ta tête, et en fait c'est euh... moins que ce que j'imaginais dans ma tête du coup. Je ouais, ouais, à des vrais ça. arcs de personnages que j'ai pas eu quoi. Bah en plus qu'on qu avait eu dans Winter Soldier. Ouais, un vrai film bouclé. Pour le coup euh, Winter Soldier c'était euh, les rousseaux arrivent et d'un coup ils réinventent Captain America et d'un coup tout le monde s'était dit waouh Marvel Studios peut faire des trucs euh, à côté euh, et nous surprendre. Euh, Civil War, c'était l'introduction de tous ces personnages dans des arcs narratifs qui restaient quand même hyper vibrants et des thèmes d'actualité. Là, il n'y a pas grand chose en termes de thèmes. On n'avance pas beaucoup dans le MCU parce qu'on nous répète. En fait, on nous montre ce qu'on attend depuis 10 ans, c'est-à-dire il en chasse les pierres dans le truc. Mais il ouais, y a ouais. un moment, en fait, quand c'est la sixième et eh ben c'est plus satisfaisant de la même manière que quand tu vois 6 fois un personnage mourir ou presque mourir quand il y en a 10 qui meurent d'un coup tu sais que c'est pas réel et c'est pas satisfaisant -ce non plus Et qui paye pas aussi la grosseur de leur euh, de leur cast aussi le fait d'avoir 25 persos à gérer qui incombe forcément que tu peux pas tu peux pas développer tu peux pas faire autant de choses que tu aimerais le faire avec un casting plus restreint et qui fait que, par exemple The Justu Metro avait bah, moitié moins de personnages à gérer et du coup fait plus de choses Peut-être même moins mais oui d'accord mais après je sais pas c'est leur devoir aussi euh, ils l'ont dit hein, de repousser les limites de la narration au final moi je trouve ça hyper cheap parce que jusqu'au bout, euh, jusqu'à ce soir, je pensais vraiment qu'on verrait euh, un moment euh, sur la fin, peut-être. Hein. Ant-Man, euh, les autres et tout. En me disant, les gars ont toujours parlé de 77 personnages. C'est le cycle qu'ils ont toujours euh, répété, quoi. 72, 75, c'est bon. Euh... Oui, mais c'est sur les deux films. Mais enfin, du coup, moi, je me suis mais dit. Ils payent il paye surtout, c'est d'ailleurs cette dichotomie de leur communication de vendre d'un côté deux films et d'un côté un seul film. C'est ça. Et de la même manière, comme tu le disais. je l'aurais Manu... vraiment pas vécu pareil si ça avait été le même film. Vous m'avez dit partie 1 réellement, quoi. Ouais. Je vraiment pas vécu pareil. Et c'est pareil pour euh, le, le, le côté, euh, le, le côté, faut surtout pas spoiler. Alors qu'au final, tu es dans quelque chose d'assez attendu de, sur un rail. Bien sûr que moi, je, si je vois le film dix jours plus tard, je n'ai pas envie de savoir que Gamora meurt, que Crâne Rouge revient et tout. Et à titre personnel, j'aurais jamais spoilé ça. Mais je veux dire, c'est pas non plus comme si tu spoilais euh, un The Last Jedi ou si tu avais lu les. Enfin, au moins en l'occurrence, je vais tombé sur Reddit sur des, ou, ou sur Twitter sur des mecs qui, qui avaient fait l'avant-première mondiale. Et j'avais vu des trucs et j'étais là What Le mec a fumé, il invente n'importe quoi, les gars, dans l'espace. <laughs> Et une semaine plus tard, je découvrais le film. Et il y avait vraiment ça dedans, mais ça me semblait incongru, tu vois? Alors que là, si tu me dis, ah bah, y a Red Skull et Gamora qui meurt, je suis là, bah ouais, ok, tu m'as spoilé. Enfin, tu vois, c'est genre juste assez surprenant pour que ça soit une surprise, et en même temps tellement pas surprenant par rapport à ce qu'est qu capable de faire Marvel Studios. Mais si on t'avait dit, il euh, y a euh, Black Panther, Spider-Man, machin, machin, euh, 15 qui disparaissent d'un coup comme ça, t'aurais aurais gobé le truc, t'aurais dit, ah ouais, c'est possible, Pff, ça bah, carrément, ouais, mais carrément. Bah, je, je sais pas en fait, je sais pas ce que t'attends. Euh, j'ai pas en quoi C'est que... assez marrant parce que tout à l'heure, je suis allé voir euh, Twitter pour voir s'il y avait des gens qui spoilaient. Et il y en a, y a un mec qui a tweeté euh, euh, Spider-Man, euh, Black Panther et les gardiens de la galaxie meurent. Ce qui est globalement vrai, je crois que tous les gardiens de la galaxie meurent au final dans le film. Et euh, je me suis dit, ok, le mec il y va de son spoiler où il dit tous les gens qui meurent, il y a même pas tout le monde. Mais en vrai, il se rend même pas compte qu'ils sont même pas morts quoi c'est tu peux même pas spoiler un film Où au final t'as pas le fin mot de l'histoire bah ouais c'est en fait du coup que c'est délicat de le classer tu vois parce que au final il y aura sans doute des choses qu'on va remettre en perspective et ça se trouve ça a très bien marché en, en, en deux parties mais dans ce cas-là, il y a un truc de com qui a, qui a foiré le fait qu'Antman soit entre temps et aussi Captain Marvel. C'est assez surprenant, quoi. Et du coup, je sais vraiment pas où me placer parce que euh, je sais que j'ai reconnu ce que j'aime chez les Rousseaux la façon dont ils font des films Marvel, tu vois. Mais il euh, y a un truc qui fait que, bah. Est-ce qu'on serait pas aussi parce qu'ils ont, je sais plus quand est-ce qu'il y a eu beaucoup de confusion et de discours autour de ces, de ces personnages, de ces spoilers, de deux parties, pas deux parties, et au final, tu as un peu l'impression que le film a été clairement réalisé et écrit pour attendre de deux parties. Et il me semble d'ailleurs qu'au départ, ça devait être deux tournages, puis ils, euh, un, euh, ils ont annoncé un, puis ils sont revenus à deux, puis au final, ça a été quasi, enfin, quasiment le même. Quoi. Il y a eu une micro-pause, et au final, euh, bah, ça se sent un peu dans le film. C'est un gros épisode de série et télé. Même quoi, le peux. budget, ils l'ont déterminé pour les deux, je crois. Ils avaient ouais. dit un milliard pour les deux. Mais, euh, mais bon, pour le coup, tu le vois quand même à l'écran mais euh, ce que je veux dire c'est que tu as un côté euh, qui fait que c'est ça sera guère satisfaisant avant l'année la, prochaine et il euh, euh, y a un moment ils font quand même un film quoi tu vois et tu peux pas euh, qu'il fallait que soit satisfaisant sur plein de trucs et et ce qui m'emmerde, tu vois, c'est que sur ma... Ils ont tenté des trucs, puis sur d'autres trucs, ils n'ont toujours pas avancé. Et ça, c'est la méthode de Marvel Studios, c'est de dire on pourrait évolutionner le game en un film, mais on va en prendre 6, parce que vous allez les voir quand même. Donc, tu sais, c'est un peu comme dans chaque Call of ou chaque FIFA, ils t'ajoutent une fonctionnalité par an, tu vois. Bah là, c'est un peu pareil. C'est un peu on a corrigé ça, t'as as trois morts vrais, véritables, mais en même temps, t'en fous 17 dont t'en as rien à foutre, et que tu, tu les reverras l'année prochaine, les persos. Donc, t'inquiète, ça va bien se passer, quoi. Et je leur, en veux, je leur en veux un peu pour ça. Parce que ça fait quand même deux fois que les Roussons ont un film historique, entre guillemets dans les mains. Et qu'ils n'en font pas quelque chose d'historique, tu vois. Et, et tu regardes C'est un peu triste. Tu, tu sais, tout à l'heure, je te disais... Euh, je vais bientôt passer le micro à, à Alfro, il a envie de réagir. Je te laisse réagir avant que je parle, on sait jamais, mec. <laughs> ça m'étonnerait que tu dises exactement la même chose que moi, parce que je vais parler de Retour vers le Futur, mais vas-y. Ah oui. <laughs> non, je ne l'allais pas parler. De ça. Non, justement, c'est pour rebondir sur votre truc, euh, une partie, de partie. et comment euh, on le vit... Euh pas De la même façon, et je pense qu'il y, y a vachement de ça parce qu'on parle souvent de la formule Marvel euh, qui est une formule narrative qui se voit à tous les films, qui est exactement la même à tous les films, sauf dans celui-ci. Puisque là, euh, on arrive à la fin du film, c'est exactement le, la moitié de la formule. Puisque généralement, oui. euh, un film Marvel ça se finit, euh, ça se construit en cinq actes ou six, euh, si on veut, où et la moitié du film c'est euh, la défaite ou. Ou la, la fausse victoire plutôt, parce que c'est quand même des Disney donc ils perdent jamais vraiment. Et du coup, euh, bah là c'est la défaite, ça se finit sur la défaite. Et, et vraiment, tu as le premier acte bah, qui est l'arrivée inmediates res, qui, qui dure pas si longtemps finalement dans le film. Tu as ce deuxième acte qui est super long et c'est pour ça que j'ai trouvé le film assez euh, indigeste. Parce que c'est normalement dans tous les films Marvel euh, après euh, la première euh, scène d'action, tu as ce développement des, des enjeux des, des mmh. personnages et là c'est en fait c'est quasiment c'est euh, 80% du film quoi. Enfin non parce que euh, la scène d'action est quand même super longue et, euh, et là et du coup euh, troisième acte c'est euh, normalement cette fausse victoire et euh, bah, là c'est c'est pas une, enfin, est une, une vraie défaite ouais voilà c'est c'est ça mais en plus comme c'est le ces personnage principal quelque part temporaire euh... dirons-nous plus qu'une une, une chose ouais. oui. et du coup bah, là ça se finit là-dessus et tu sais très bien euh, comme c'est une comme ça va être la formule Marvel bah, que le deuxième film ça va reprendre euh, alors je pense qu'ils vont un peu gérer pour avoir une espèce de continuité parce qu'ils aiment bien commencer sur une scène d'action mais ouais. euh, ça va reprendre et ça va finir comme ça pour avoir enfin la, la véritable résolution dans le deuxième film. Et ça ouais, se sent vachement ça, dans la construction scénaristique. Deuxième partie de Et du coup, euh, je trouve ça, en fait, c'est très très con déjà de, de réutiliser la même formule parce que je pense que bah, c'est sans doute pour gérer le, le nombre de persos, mais euh, au bout d'un moment sortir de votre formule parce que c'est trop prévisible. Et euh, aussi, c'est c'est con en, en termes de marketing comme vous le disiez parce que vous vous le pensez en deux films. C'est clairement construit comme deux films et euh, forcément on, on reste sur notre fin avec le, à la fin du premier film parce que ce n'est pas une fin. Mais le pire, ouais, c'est qu'ils n'ont ils ont pas réussi à faire ce qu'ils avaient dit. Quoi. Où ils avaient dit il euh, y ça. aura une suite logique, mais euh, les deux films se tiennent en eux-mêmes. Et c'est ce qu'avait si, en... ah, oui, ouais, ouais. ce qu fait il euh, y a 30 ans euh, Retour vers le futur où le 2 et le 3 sont des films en eux-mêmes. Et s'enchaîne parce qu'il y a un cliffhanger qui fait que. Et tu sais ce qui va se passer pour, euh, dans, dans le 3. Tu sais qu'il va revenir euh, dans, au, au 19 e siècle et qu'il va se passer une nouvelle aventure et que c'est aussi un, un film fini. Et c'est ce qu'a fait Pierre Descaribes il y, y a 10 ans avec euh, le 2 et le 3. Ils les ont annoncés clairement avec euh, un an d'écart de sortie, peut-être même pas d'ailleurs. Où, euh, où les deux films, c'était deux vrais films, mais avec une histoire qui se continuait. Et à la fin, il y avait un cliffhanger qui t'amenait au suivant. Et il y avait une logique. Alors, c'était un, un petit peu de la merde. Mais euh, au moins, ils arrivaient, ils arrivaient à faire leur... oui, vrai, non. la... Oui, justement, tu étais bien, quoi. Tu étais bien dans le sens où tu avais... C'était pas déçu d'avoir vu ton film qui était pas totalement la, la totalité de l'histoire. Mais c'est quand même un tout petit peu ironique que Marvel, euh, euh, qui, qui, a, qui a quand même forgé ses armes euh, en, en, en chopant beaucoup de techniques de la télévision, euh, n'ait pas, euh, comment dire, hésite à appeler ça un part 2 et un part, un, un part 1, quoi. C'est un, un peu dommage, même s'il aurait pu avoir des titres différents, au moins dire euh, non, mais c'est enfin, un seul film en hein, deux parties dès le départ. Parce que je, je pense que le marketing nous influence beaucoup euh, euh, sur ce genre de, de blockbuster. Ça fait partie de leur. Narration, tu vois, que tu le veuilles ou non, euh, tu es exposé à tout ça, et du coup, euh, du coup, euh, je ne sais pas ce la que note. tu fais. Ah, la, la note, mais j'ai donné et demi tout à l'heure. Mais ça fait 20 minutes que j'ai donné la note, effectivement, mais ce que je voulais dire, c'est que bah, pour rebondir sur ce que dit Al, <laughs> non, mais, je voulais juste rebondir sur ce que disait Alfro, au sens où, ouais, effectivement, c'est dommage de pas avoir assumé le truc jusqu'au bout, parce que je pense que ça changerait beaucoup de choses, et, et ouais, très clairement, ils il se sont un peu tirés une balle dans le pied en faisant des sorties publiques, en disant, vous allez voir, c'est satisfaisant comme film. Bah, je trouve pas, et c'est peut-être même l'un des films euh, du MCU par rapport à son échelle, toute proportion gardée, qui est moins satisfaisant, quoi, parce que du coup, tu es vachement frustré quand tu finis le film, quoi, et, euh, et pas bien frustré comme euh, à la fin de Matrix 2, à la fin de Retour vers le futur 2, ou à la fin de Pirates des Caraïbes 2, euh, qui pourtant pas ma saga favorite, mais je me souviens que bah, tu avais des cliffs où tu disais, ok, faut vraiment que je vois à la suite, parce que là, c'était satisfaisant, mais j'ai quand même envie d'en voir plus, parce que ça a l'air complètement dingue. Et, euh, la pioche géante et Jack Sparrow, tu étais là genre, ah, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, là, tu vois des mecs euh, tomber en feuille, tu fais, bon bah. Il n'y a pas 36 solutions quoi. Bref, j'arrête de parler. Et passe à notre un et une petite explication peut-être. Euh, ouais, ben euh, pour le comparer aux Avengers 1 et Age of Ultron du coup, bah rapidement le 1 euh, après euh, moult revisionnage pour euh, marathon ou autre ou Juste revisionnage euh, comme ça avec des potes ou quoi, j'en peux vraiment plus. Je supporte plus ce film, clairement. Alors que pendant un temps, je, je l'aimais beaucoup, mais maintenant, je ne peux plus le voir. De, je crois que de, dans tout le MCU, c'est un des pires, enfin, ce que je trouve le pire. Euh, Age of Ultron, moi, je suis comme Thibaut, je l'aime beaucoup. Malgré euh, le fait qu'il y ait plein de gens qui ne l'aiment pas, bah, moi, il y a plein de choses qui me parlent dedans. Euh, ok, il y a des trucs super cheap, genre Quicksilver. Euh, pff, Insupportable quoi... C'est mais... largement pas le pire d'être déjà fait le truc, Non, mais c'est pas le pire, mais c'est enfin, ça fait partie des choses qui sont pas bien dans ce film. Mais... Et du coup, Infinity War, euh, ben ouais, je suis un peu aussi en demi-teinte, euh... parce que si je devais le juger juste pour ses scènes d'action et la façon dont il amène certains trucs, ben, je lui mettrais une super note. Mais le truc, c'est que vu qu'il est tellement faible sur plein de petits points, et que quand tu les additionnes, ben, ça en fait un film pas fort. <coughs> Et eh ben ouais, je crois que je peux aussi mettre qu'un 3 ou un et 3,5. Parce du coup, que tu mets quoi euh, Du coup, je j'aimerais je mettrai... bien mettre 3,5, mais il n'y a pas au OK, je mets 3. Okay. Je suis comme ça. Okay. <laughs> ben moi, je vais lui, lui mettre 3, pas parce qu'il n'y a pas au OK, mais parce que 3,5, comme le disait Thibaut tout à l'heure, c'est notre note qui veut rien dire. Et moi, il faut que cette note veuille dire quelque chose. Et c'est ta merde, Kevin. T'as fait toutes les cartes en main, le film. Il y a vraiment plein de trucs bien. Il, il montre qu'ils maîtrisent maîtrise ce qu'ils ont construit. Sauf qu'ils ne maîtrisent pas la forme et la communication sur ce film et ça, ça pète tout. Quoi. Et voilà, ça, moi ça me fait chier. Ça m'a vraiment gâché l'expérience. Du coup, je lui mets trois. Très bien. Tu veux donner une note, Alfro Tu nous as fait une petite tirade euh, bah Moi, je ne vais pas être aussi sympa que vous. Je pense que je ne sais pas pour la note. Autre... En fait, euh, mon gros problème avec ce film, euh, c'est qu'il euh, y a plein de moments euh, qui lui mettent joie. Hein, des, des petits trucs, euh, des petites scènes, c'est bien foutu, euh, des petites interactions. Mais il n'y a, a aucune, euh, alors, de, au, au, aucune intrigue euh, posée euh, qui, qui se développe, il n'y a aucun personnage qui évolue. Et euh, je trouve que euh, dans un, un blockbuster, c'est une très mauvaise... Euh, Enfin, c'est très très mauvais en termes d'univers, parce que là, à part Thanos, c'est un peu un peu sort comme vous l'avez rappelé. Mais euh, et euh, en fait, ouais, c'est un film, un film vide, même s'il se passe plein de trucs. Et euh, je trouve ça, euh, je trouve ça assez euh, assez dommageable. Et puis, euh, comme bah, comme je le disais tout à l'heure, l'Éternel euh, formule, mais ce coup-ci euh, planté en deux films. Bah, ça, ça me saoule un peu, donc euh, s'il fallait mettre une note, je sais pas, 2 euh, ou 1,5, un, un truc comme ça. Et... Ouais, plus tu choisis, c'est hardcore. Bah, c'est pas. C'est sur cos. 2 ou 1,5, du coup. C'est sur 5 Oui. Ouais, bah, c'est pas hardcore. 2 ou 1,5. Ouais, 2 parce qu'il y a quand deux. même plein de trucs bien foutus. Mais... calcul. Très bien. Euh, pour ma part, euh, mon Avengers préféré, du coup, c'est Civil War. Ouais. <laughs> parce que, ouais, c'est vrai que si je devais y repenser, Avengers, il a bien vieilli. Avec Jeff Ultron, il y a des trucs que j'aime bien, mais globalement, j'ai. Je... Je suis pas super fan, alors que Age of U, euh, Civil War, je le trouve bien dense sur plein de trucs, même s'il a des faiblesses, notamment ce combat à l'aéroport euh, complètement dégueulasse. Mais. Oui. Non, mais c'est juste que j'ai pas dit, moi, par rapport à ah, Avengers. Ah, tu veux, et tu veux de Bah, vas-y, dis avant que et je. Je voulais juste Assassin. dire que, justement, j'ai revu mille fois Avengers et il est dégueulasse dans la façon dont il est fait, mais il y a de l'émotion. Ouais, il ouais, y a film, plein de trucs, je l'aime bien quand même. Il y, y, y a le côté épique avec six personnages que j'ai pas dans ce film-là. Et justement, ça, ça joue sur le truc, quoi effectivement et du coup celui-ci je c'est ah, de la merde <laughs> j'ai pas envie de, de de répéter du coup ce que vous avez dit je lui mettrai trois et demi parce que plutôt pas mal parce qu'au final globalement il bah, y a quand même aussi tu vois j'ai pris mon pied des fois mais c'est vrai que bah je suis pareil que vous hein. je, je vais évidemment je vais un peu me répéter mais je trouve que bah c'est vrai que c'est pour moi c'était la célébration tu vois de 10 ans du MCU. c'est vrai que finalement on a fait bah, on a il y a eu Infinity Countdown sur 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 les réseaux, effectivement, ça a permis de refaire un tour et tout, et de voir que quand même, bah, en dix ans, il y a quand même très peu de trucs achetés. Même si bah, c'est une formule qui est épurée, c'est une formule pour grand public. On a appris à l'apprendre, enfin, on l'a appris à nos dépens au fur et à mesure des années. Tu vois, on a quand même compris que. Mais cette si... formule, on a aussi vu que dix ans, elle s'est quand même bonifiée avec le temps. Parce oui, qu'on bah... dit tout le temps, il y a une formule, mais elle s'est améliorée. Oui, voilà, tu vois. Il y a encore elle... des choses à améliorer, elle les gars. Améliore. On est là, on sera là l'année prochaine. Exactement, elle s'améliore, tu vois, dans le détail. Et pour moi, du coup, bah là, c'est clairement une une genre de de un recul, tu vois, de la formule est assez drastique et ça me fait un peu peur. Enfin, ça me fait ça m'attriste même plus que ça me fait pas peur parce que finalement, je, final, je m'en fous, mais ça m'attriste pas mal parce que bah du coup, c'est vrai que moi, j'étais aussi dans cette phase de célébration. Je me disais putain, en tant que que tu vois, je retrouvais un peu cette, cette, ce côté lecteur de comics quand ça fait longtemps que tu lis une série, qu'il se passe un truc et que tu vas comprendre les références. Et là, je me suis dit, putain, c'est cool parce que ça a pas, ça a marché avec le grand public et qui lui aussi est devenu, enfin, qui s'est lui pour le coup, tu vois, éduqué à cette méthode. Et je trouve que, bah, pour le coup, il n'y a rien de, de festival. C'est pas un festival du tout ce film, quoi. C'est juste bah t'as plein de personnages et ils sont un peu tombés là où il ne fallait pas dans, dans le panneau. C'est-à-dire mettre juste des personnages et pas mettre d'histoire. Et pour moi, le plus important, c'est quand même d'avoir des histoires. Parce que même si tu Thor qui a un arc vachement... Plus, glu... enfin, plus, plus, plus important que les autres, bah, c'est quand même pas un arc ouf. Le personnage de Thanos c'est quand même super intéressant, mais les thématiques qui brassent et qui sont vachement passionnantes, et je trouve qu'il y avait moyen de gratter là où, tu vois, par exemple, un Black Panther était vachement intéressant sur les thématiques d'afro-américains. Oui, alors que de... l'histoire en tant que telle, l'histoire est ouais, un... voilà, tu est vois C'est bah, hein, là ouais. où Marvel Studios, je trouve que des fois, ils arrivent, à se... ils arrivent quand même à se démarquer, c'est que si les histoires sont un peu facile à un peu débile même des fois bah c'est parce que c'est grand public et que bah il y a des enfants aussi et faut qu'ils puissent suivre et en même temps si arrives à, à jongler avec des thématiques fortes bah ça fait ça permet de faire de passer des messages quoi et là pour moi ce film c'est un non film alors est-ce que c'est parce que ils l'ont vendu en deux parties et qu'en fait enfin en une partie alors qu'en fait c'est deux parties je ne sais pas tu vois mais je pense que c'est juste que ouais ils ont voulu jouer avec trop de personnages et ils sont emmêlés les pinceaux et clairement euh, ça a donné un truc qui est presque sans saveur mais qui est quand même qui a quand même des qualités donc c'est un peu frustrant quoi. je pense qu'on était à ça d'avoir un film globalement super enjaillant pour moi c'est cette fin en fait qui nique tout et limite tu vois j'aurais préféré que ce chapitre au moins il clôt les histoires de Steve Rogers et de Tony Stark comme ça ils auraient eu limite leur enfin ils auraient eu le droit à leur... leur chapitre de fin alors que là j'ai l'impression en plus qu'Avengers 4 il va devoir régler plein de trucs et du coup limite on n'aura peut-être pas le droit à ce finale épique de nos, de nos Steve et de... et de notre Iron Man donc un peu je suis je suis pas fr frustré mais je suis un peu déçu tu vois, en termes de cinéma je trouve que c'est vraiment une, un film euh, pas, pas si enjaillant que ça quoi c'est marrant, tu viens de me faire penser à un truc que j'ai pas du tout pensé jusque là c'est qu'il y a des gamins qui vont voir ce film et voir tous ces personnages à la fin mourir <laughs> sans émotion quoi. genre tous les héros qui ils meurent sans qu'ils ait une once d'émotion belle école de la vie remarque et pour le les film anciens, se termine tous les héros tu les aimes chérie mais ils sont tous. Mais après, ils faut, ont faut tous pas sous-estimer l'intelligence des enfants. Parfois, ils comprennent mieux que les adultes qui font Ouah! dans la salle quand ils voient des gens disparaître. Ils disent peut-être, attends, les gens, les gens, les gens, quand ils meurent, ils se transforment pas en feuille Je suis sûr qu'il y a un twist. Ouais, il a dit, attends, papa, attends, papa, attends l'année prochaine. <laughs> ouais. J'ai 4 ans et demi, mais tu m'as l'air un Moi, peu. Moi, j'ai lu là. sur Comics Blog, Arnaud, il m'a dit qu'il y a une deuxième partie. Euh, mais euh, oui, non, mais ce que je voulais dire, euh, je voulais juste rebondir parce que définitivement, je veux pas que le podcast se conclue, mais euh, ah, c'est parce que là, c'est mon dernier. Et euh, non, mais du coup, euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, effectivement, ça va aller, Manu. T'inquiète pas, tu vas avoir ta petite pierre d'infinité à la fin de ce podcast. Et euh, du coup, ce que je voulais dire, c'est que ce, que ce que ces morts-là, elles gâche aussi un truc dont on a parlé quand on était au McDonald's. Ceci n'est pas un placement de produit, mais juste avant le podcast, c'est qu'au final, ces gens disparaissent. Parce que c'est pas vraiment une mort, comme on l'a maintes, maintes fois répété. Mais du coup, on, on imagine que dans tous ces gens qui disparaissent, il y en a peut-être qui vont pas revenir ou quoi, tu vois, et ça va être très bizarre, euh, même pour ceux qui reviennent ensuite, de se dire euh, « Tiens, dans Homecoming 2, Spider-Man, il a déjà commis la mort, donc comment il s'en rappelle euh, euh, ?» s'il s'en rappelle pas, bah, moi, je en, en tant que spectateur, je m'en rappellerai quand même et j'aurai toujours cette espèce de, 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 de vieux doute, quoi. Comme quand t'as Loki qui meurt dans chaque film, tu te dis « Bah, il a échappé trois fois à la mort, donc y a, il sera de retour quand même, ça. Tout dépendra quand même du tour de passe-passe qu'ils vont amener dans le cadre pour faire revenir euh, certains Jusque -là, personnages. C'est hein. très prévisible, donc... Euh... Et ça, ça me fait juste penser à un truc euh, très rapide en rapport avec ce que tu dis, en euh, rapport à Spider-Man. On se souvient qu'à la fin de Homecoming, Tante May elle a grillé que c'était Spider-Man et que ça semble être complètement passé à la trame dans le sens où il est dans le quart scolaire, il se retrouve dans l'espace, il rentre pas pour dîner, et il est dans une nouvelle dimension et dans un autre <laughs> espace-temps. Et je pense que Tante May, peut-être qu'au début d'Avengers 4, elle va dire, attends. Il est où euh, mon neveu euh, slash Spider-Man Ah bah il a disparu Bah non, elle peut pas s'inquiéter pour Peter elle a Parker. c'est si aussi. aussi disparu. Ah, incroyable. Malin. Et donc Arnaud Tout ça, On sait que c'est la faute de Mysterio C'est une illusion. <laughs> bon, je l'ai placé, je peux partir. Bonne soirée. Ouais. Non bah du coup bah moi je, je reste, je, je suis fidèle aussi à l'écrit de, de mon camarade Corentin et ce 4 ce quatre sur 5 parce que mais après. Mais façon, ça change pas la note Mais le est le pas moment. loin du 4 et demi hein. Non, mais franchement parce que là j'ai dit 3 et demi mais en vrai plus j'en parle et plus c'est 3 hein. Ouais, mais à revoir mais après j'entends en plus j'entends 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 les critiques et tout ça mais après il y a toujours cet fait aussi de je sais pas pour moi il la... il y a le fait j'ai aussi le contexte du film, enfin tout ce qui a été amené en amont, les, le, le, le fait que ce qu'a quand même réussi à accomplir Marvel Studios, qui est sans précédent et qui, à mon avis, risque. Mais je pense qu'eux-mêmes se mettent des bâtons, enfin, ils ne vont pas réussir à aller euh, plus loin dans, dans le fait, vraiment, mais dans, dans, dans l'entreprise, dans le blockbuster, dans le fait d'avoir euh, plus de 20 personnages à gérer. Je pense que ça aurait pu être beaucoup plus pire. Et, et, je, et je déteste serait, les ne par le bas non plus comme ça. Ça aurait pu sûr. être 100 euh... fois pire. Mais, ouais, mais, je, mais je sais qu'à toi et moi, le fond on n'est vraiment pas d'accord. <laughs> non, mais c'est sûr qu'ils ont fait un super taf là-dessus. Mais limite, en fait, c'est un peu entre guillemets attendu. Enfin, tu vois, à partir du moment où ils arrivent à gérer une vingtaine de personnes en Civil War, je les voyais mal échouer. Euh, même si au final, je m'attendais pas à ce qu'ils se fassent sur les 70 personnages 35-35. Euh, parce qu'avec cette idée que la moitié disparaisse, c'est vraiment un prétexte aussi pour pouvoir avoir 35 ouais. d'un côté et 35 de l'autre. Et au final, c'est une astuce un peu chippo, surtout quand tu dis que c'est pas en deux parties. Mais il euh, y, a, y a ça, c'est sûr que c'est super satisfaisant, surtout quand tu vois. Euh, que visuellement il y, a, il, y a, il y a plein de il y a, il y a quand même un Avec bon gros qui, je pense mais après je pense que voilà c'est aussi c'est ce que je disais plutôt c'est la limite entre vraiment le, le cinéma en tant qu'œuvre art ou juste divertissement et je déteste pourtant faire oui c'est un bon divertissement pour le coup c'était quand même un bon divertissement tu vois mais et personne à cette table a dit l'inverse et je fais le... ouais mais après c'est juste que ça, ça impacte mon ressenti après sur NOS que j'ai je l'ai vraiment, j'ai quand même vraiment kiffé, alors que pourtant je suis vraiment pas client de l'école Marvel Studio à la base. Alors je sais pas, peut-être que c'est moi je perds de l'esprit critique au fur et à mesure que les années passent. Alors que, alors que vous aiguisez le vôtre, ou peut-être juste que j'ai pas assez d'esprit critique et que du coup je gobe plus facilement les tours de passe-passe comme moi le fait qu'ils fassent disparaître tous les personnages. Qu'est-ce qui se passe alors, en fait, il a écrit les noms des personnages sur son, euh, sur son spliff, et du coup, quand il le fumera, bah, c'est des personnages qui partent effectivement en fumée, <laughs> mais... comme dans Infinity War. C'est beaucoup trop méta. Du coup, euh, Dormanu, Istanos. C'est Dormanu et Dormanu. Dor Dor et du coup, non, c'est juste que je sais pas, enfin, je suis conscient qu'il y a des films après, que ça va revenir, tout ça, mais ça m'intéresse quand même de voir comment ils vont faire. Ça m'intéresse un peu de jouer aussi avec le, le fait de vouloir un peu juste ouais, jouer le jeu avec, euh, avec ce, genre, ce genre de bail. Et, euh, mais du coup, euh, je sais pas. Du coup, je... ouais, ma note est... Donc, elle est à 4, et du coup, ça fait une moyenne à 3,16. 3,16, c'est honnête. C'est un 3 euh, assez, assez un majoritaire, 3. quoi. Je sais pas. Je trouve c'est un peu mais de... après c'est un peu dommage du coup aussi parce que je pense qu'on aurait tous aimé aussi ben, mettre plus haut et être vraiment ressorti ultra épais mais est-ce est qu'on devient trop vieux pour cette connerie aussi je sais Non pas, mais il que... y a une place pour la demi-mesure sur internet, il faut le rappeler donc. Oui euh, aussi non sortir... mais non mais c'est vrai et Évitons puis. de sortir un et quatre et demi. Euh, non non fois mais fois. effectivement et puis effectivement ça ça. Il y, y, bah, y a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer le process aussi, donc c'est aussi vers là qu'il faut aller. C'est pour vois. ça que peut-être le 4 sera et... Euh, excellent. Hein. Bah, et et je pense qu'il y aura un retour à faire sur le film, forcément, avec ce que le 4 va amener. Quoi. Et que du coup, limite, les enjeux sont. Enfin, c'est qui tout doux, presque. Je ne sais pas. Après, tu vois, euh, je trouve que euh, la note, elle est... comme disait Thibault, ça, exp ça exprime bien la, la demi-mesure. Et surtout que quand on voit ce qui se profile à l'horizon, à la fois chez Marvel Studios, mais aussi, il faut pas l'oublier, chez des concurrents qui essaient aussi de faire leurs films de super-héros, voire leurs. Euh... Leur univers partagé, et quand on voit le trailer de Venom là, qui est passé quelques temps, tu te dis, en vrai, Infinity War à côté, c'est... C'est... Ça, ça, non, ça, tu peux pas justifier, mais tu c'est à prendre en compte quand même. Tu vois, je, mais euh, quand tu vois que d'autres sudo arrivent pas à faire à gérer à faire un film correct avec euh, cinq personnages, euh, eux ils arrivent à faire euh, ça quand même. Je sais pas enfin bref. Mais euh, ouais. du coup, bah, le... euh, Warner <laughs> c'est de la statistique je suis désolé. Voilà, c'est bon, on s'en branle. Du coup, le constat ils par rapport avec cinq personnages à faire, ils ont pas réussi à le faire, c'est tout. Le constat par contre, je pense, c'est vraiment ne foirer pas. Infinity War Part 2, s'il vous plaît, parce que sinon ce sera vraiment ce sera Infinity War. une énorme <laughs> déception, quoi. Parce que si vous nous avez déçu sur le premier et sur le deuxième, là les gars. Non mais, ils ont, ils ont, non, mais c'est clair qu'ils ont droit à jouer. Mais moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est du coup aussi, je te dis, c'est cet aspect redistribution des cartes. Même si on sait qui va rester qui va venir, il faut pas oublier qu'il y a tout ce délire autour de la Fox, machin. Et même si ça ne doit pas être encore s'ils peuvent glisser quelques petits trucs euh, dedans, je sais pas. Hein. Mais, euh, mais après, moi, ça m'intéresse vraiment de voir cette phase 4 dont on ne sait rien aussi. Du coup, est-ce que je pense que forcément, elle est très liée à ce qu'il va avoir dans Unmajors euh, 4. Et bah, au moins, ça permet quand même de, de renouveler de l'intérêt. Renouveler parce que. À cette formule qui a quand même tendance à se lasser et qu'il faudrait aussi que Marvel Studios pense réellement à renouveler, euh, puisqu'elle pourra plus de toute façon s'appuyer sur l'effet on a encore plus de monde parce qu'ils feront pas des films avec 40 personnes dedans, ça, ça, ou alors ça durerait durer 4 heures et, et personne ne pourra faire ça. En attendant, on aura toujours Captain Marvel pour déconnecter, vu que ça va se passer vachement dans le passé. Oui, et Ant-Man et The Wasp pour avoir des films à petite échelle et, euh, et kiffer les pèses géants et euh, ce genre de choses. Les Loki. Voilà, les Loki. Du coup, merci. Non, tu voulais dire quelque chose encore, vois Tu lèves le doigt Non, du coup Non. Non, il nous faisait un fuck parce que. C'est Starlord. Voilà, c'est Star ça... voilà. <laughs> Star Et du coup, ben, c'est la fin de ce podcast sur ComicsBlock. C'est aussi la fin de ce genre de podcast sur ce ComicsBlock. En tout cas, avec euh, ben, voilà, c'était la dernière participation de messieurs euh, République, Alex Lecoq, Manu. Et Alfro, comme vous le savez, ouais. les gars, nous quittent. Sauf so en tout cas. Hein oui, oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de dire au revoir. Donc Exactement, voilà, aussi, nous... le, ce podcast, c'était aussi l'occasion pour vous de pouvoir faire un petit au revoir que... aussi à l'audio, parce qu'il y a une... Une à communauté de fidèles oui, voilà, qui vous suit. Ça, Et personnelle... je ne vais pas te laisser faire tes avis. En fait, je te coupe ouais, tout le Tu vas clair, voir, ça va être très très chelou. <laughs> euh, ferme ta gueule, s'il te plaît. <laughs> non, je... euh, oui, non, du coup, bah, oui, on n'a pas eu le temps de dire au revoir. Donc, à titre personnel, je voudrais vous remercier de votre fidélité toute l'année. Je voudrais vous dire que je vous aime. Je l'ai écrit dans mon papier déjà, mais je préfère le dire de, -voix, de vive voix. Et comme dirait Luc, euh, no one's ever really gone. Donc, peut-être qu'on se reverra bientôt. See you around Kido, dit-il. Dit-il à euh, moi je vous remercie aussi, hein, forcément, comme Alex. Euh vous avez été super nombreux et nombreuses à nous envoyer des messages sur Twitter, à parler de tout ça, à nous soutenir euh, respectivement. Donc euh, je suis content qu'on ait pu faire ce podcast euh, pour vous dire au revoir. J'espère que la suite ira bien euh, pour Arnaud et ceux qui restent, justement. Nous voilà. On Comme on est... sait très bien que et... ceux qui sont partis ne sont pas vraiment partis. Non euh, plus, voilà, quoi. donc euh, du coup, peut-être qu'on reviendra si une équipe d'Avengers viendra nous sauver euh, de... des griffes de Thanos. On verra bien, mais en attendant, c'était super chouette de terminer sur cette note-là. Merci pour l'invite et puis euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Voilà, bisous. Je voilà. vous aime aussi. Et donc, on se donne rendez-vous bientôt sur les internets. Bisous.